Bonjour, 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 bonjour! Bienvenue au rendez-vous 20h minuit Altisai France Roleplay obligatoire. Enfin, obligatoire pour moi. Voilà. Bon, bienvenue à tous. Merci, merci aux nouveaux followers de cet après-midi lors de la rediffusion de midi. Merci aux nouveaux. Merci encore à tous les donateurs de hier. Salut Pierrot. Voilà, merci à tous. Ça fait ultra plaisir d'avoir cette magnifique et belle communauté fidèle. Bon allez, ce soir, reparti, modification, j'ai pris en compte vos commentaires de hier soir, j'ai modifié certaines choses sur l'overlay, sur la présentation en général de la chaîne. Donc voilà, 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 bon et bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, l'objectif du Stream Deck est rempli, le Stream Deck est commandé, le Steam Deck est acheté, le Stream Deck va arriver vendredi. Merci, grâce à vous. Encore un outil fabuleux qui va être utilisé à partir de ce week-end, à condition naturellement que j'arrive à le faire configurer. Mais ça, c'est encore une autre paire de manches. Et ça, je pense que je vais encore m'amuser vendredi. Bon, salut tout le monde, bienvenue à tous. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à mettre l'ambiance sur la chaîne, notre chaîne, parce que c'est notre chaîne. N'hésitez pas à lâcher des coms, à discuter entre vous, à vous défier dans les jeux. Toutes les commandes, normalement, vont être inscrites au fur et à mesure du temps. Voilà, moi j'espère que je vais vous procurer encore une fois du plaisir ce soir. Merci à vous, bon live, followez un maximum. J'ai rien d'autre à dire, rejoignez-nous pour les nouveaux et pour ceux qui n'osent pas. Du délire, du fun, de la rigolade et surtout de la convivialité entre vous et moi. Merci, bon live à tous, c'est parti. Bonjour à tous, comment vous allez? Salut Pierrot, salut Vaheron, salut Scarvem, comment vous allez? Allez, je vais vérifier quand même si je suis Switch parce que des fois on n'est pas Switch. Des fois, je suis pas suite. Et là, on se pose des questions. Channel switched. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semble. C'est pour ça que je les entendais pas parler. Je disais que je les entendais pas parler. Yop, 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 yop. Bonjour. Ah, mais respect, mon commandant préféré. Moi. Mon quoi? Mon commandant. Mon comment? J'ai entendu ce que... J'ai pas compris. J'ai entendu mon commandant tout court. Ouais, mon commandant. Regardez, je vais refaire, je vais refaire. Ouais, vas-y, vas-y. Mon commandant. T'as compris quelque chose? Mike? 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 Mais il est où, Mike? 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 Il est... Mike? Ah non, il est pas là, non, il est pas là. Je sais pas où il est. Ah bah, je sais pas. Mike! Mike, Mike, bon bah tant pis pour lui. Hein. Hein? Attends quelqu'un ce soir? Hop là! Oh. De quoi? Pourquoi? Vous avez une recrue à l'entrée? Ouais, y'a quelqu'un qui dit qu'il veut se faire recruter ce soir, je crois. Oh, mais il est complètement baisé lui ou quoi là? Il va si, bon, je sais pas quoi là. Il a l'accueil déjà. Oh putain. Mais c'est qui celui-là? Ah, on va le voir. Putain. Propre. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la candidature. Pas là? Je venais pour la candidature. Allô? Allô? C'est mon commandant préféré. Ah, c'est toi qui me parles? Non, c'est le commandant. Hein. Tout à fait, monsieur Hansebel. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qui toi? Monsieur Ivar Zebanes, je vous donne ma carte d'identité. Mais je m'en fous de ta carte. Tu veux voir qui? Je suis d'accord. Bah, on m'a convoqué. Qui t'a convoqué? Où, quand, comment, qu'est-ce, à quelle heure? Monsieur Springfield. Springfoy? Springfilou! Ah, bah, toi, je vais le chercher. Springfilou! Springfilou! On en prévient. Springfilou? Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu peux mettre format médic s'il te plaît? Je l'ai passé là, je l'ai. Ouais. Tu l'avais celle-là ou pas? Complètement. Ouais, je te la mets. Bah, y'a pas de Springfilou.
Réponds pas. Springfellow. Ah. Springfellow. Ah mais je suis con, c'est moi. Merde. Ouais, ouais, vas-y. Et moi je t'ai convoqué moi. Du coup oui, j'ai été convoqué à 20h quand ici présent. Quand hier soir, il me semble. D'accord. Enfin, et je t'ai convoqué. OK, je t'ai convoqué quand? Oui, aujourd'hui à 20h. Bon, aujourd'hui à 20h. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui on est mardi. Mardi. D'accord. Et il y a pas marqué jeudi sur ta candidature. Non. Ah. Bah viens avec moi. Comment t'appelles encore toi? Hey Barry White, vas-y viens voir. Casse-toi. Casse-toi aussi toi. Ah. Ah, je comprends mieux. Ferme la porte. Ah, ok. Déjà, il sait pas fermer une porte. Ça promet. T'es fermé une porte ou quoi? Oui, mais là, je... Ah, d'accord. Ah, t'as deux mains, quoi. Allez, assis-toi. Mais avant, toi... Mais avant, présente-toi. Bah, c'est ce que je t'ai demandé, il me semble. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre, toi. Dehors, il y a le crime qui n'entend pas, en fait. Ta gueule. Non, c'est qui t'abuse. C'est pas fait exprès. Bah non, non, je suis écrasé. J'habite 15 rue du Moulin, à Paros. Mm-hmm. J'ai quelqu'un qui est présent régulièrement, en fait, qui veut éradiquer le crime. Malheureusement, j'ai retrouvé des personnes qui ont fait du mal à ma famille et à ma ville auparavant. Mm-hmm. Donc j'arrive sur l'île. Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui est assez spontané, quelqu'un d'assez vif. Mm-hmm. J'aime bien que les choses soient faites correctement, quitte à mettre un peu plus de temps. Et voilà, je pense que... Salut Trunks. Ouais, bah écoute, c'est sympa ton histoire, mais j'ai pas écouté. Alors, assis-toi. T'as quel âge? 25 ans. Quel âge? 25 ans. Tu mesures combien? 1m70. Putain, j'ai jamais vu un tas de merde aussi haut, Ivar. On me le dit souvent. Est-ce que tu as les capacités et les coronesses d'être policier? J'espère. J'espère, c'est pas une réponse. Dans la vie, il y a deux choix. Supprimer, prendre la vie, ou conserver la vie d'autrui. Quelle décision tu prends? Et penses-tu être un bon policier, ou espères-tu être un bon policier? Parce que si tu espères, ça veut dire que tu es négatif. Il y a une part de négativité dans ta réponse. Mais s'il y a de la négativité, qui sera le jour, au moment où je te demanderai, de prendre la bonne décision? On a l'impression qu'on couche ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Alors, es-tu, oui ou non, capable d'être un bon policier? Ah oui, tout à fait, je suis... Ah bon? Comment tu es sûr d'être un bon policier si tu n'as pas d'expérience? Ah! Question piège! Disons que j'ai eu une expérience... Salut, Dylan! Étant un ancien mécanicien dans la... Oh, la gueule. Hein? Excuse-moi, j'ai... Prendre des décisions plus ou moins douloureuses. Plus ou moins douloureuses. Tu veux que je te fasse passer des moments douloureux? Je ne vous entends pas. Es-tu capable... Tu m'entends, là? Ah oui, là, je vous entends. T'es en train de dire que je parle mal? Que je bégaye? Que j'ai mauvaise élocution? Bon! Fiston, tu sais qui je suis? Oui, tout à fait. C'est qui? Monsieur Springfield. Ok. Et si je te mets un pétard sur la tête, est-ce que tu sais qui je suis? Maintenant plus. Voilà. Ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je... Bon! Tu reviendras me voir jeudi, 20h. D'accord. Et on discutera de ton cas. Je t'ai laissé 30 secondes. Les 30 secondes, c'est comme avec une femme. Tu as 15 secondes de plaisir pour 18 ans d'emmerde. Ah! Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça? Ah! Salut, ange blanc.
Merci, monsieur. C'était quoi ton nom, en fait? Monsieur Ivers Benless. Non, mais je m'en fous, en fait. Ah bah, reçu. Bon, ça, c'est fait. Suivant. À moi. Toi aussi, tu veux un entretien? Non, je veux juste ma licence physique. Ah oui, c'est vrai. Bah, casse-toi, va chez Martine, là. Putain, vous faites chier avec vos lançants, c'est... Tu peux me faire ta licence, s'il te plaît? Parce que vous êtes le meilleur. Allez, dis-moi quand tu parles. Et 3, 2, 1, je suis parti, au revoir. Salut. Désolé, mes petits lolos. Mes petits lolos. Mes petits lolos. Allez, je mets juste une licence admin. À ce petit charmant jeune homme qui, pour une fois... Ah, une licence. Pour une fois, je dis bien. Médic. C'est où, médic? C'est là. Save. Et maintenant, on lui dit pas quand qui peut revenir. Sinon, c'est pas drôle. Hop là. Et voilà. Bon, alors, qui c'est que j'ai pas vu? Bon, bah, Scarbem, t'es en train de me sauver le cul. Sois gentil, mordiré. Non, je rigole. Sois le bon DD qu'on en est. Bah, bien sûr, bah, on change pas une équipe qui gagne. Et maintenant, mon petit Azo. Ça change pas en fait, si j'ai rendez-vous, des recrutements se font toujours le jeudi 20h. J'ai à bouffer, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de l'armement, j'ai ma cagoule, j'ai tout ce qu'il faut, on se casse. Merci. Ta gueule. Hop là. Ils sont. Viper. 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 Salut. Bonjour. Viper. Ouais, qu'est-ce que ça peut... Et alors, t'es en train d'apprendre mon boulot ou quoi, toi? Non. Ouvre ta fenêtre. Tu le vois, celle-là? Oui. Fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou. Voilà. Apporte bonheur. Viper. 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 T'as de ma gueule ou quoi, là? Dealer de... Yo, bonjour, moi peau blanche, et toi? Ouig. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ta bagnole? Yo. Prison. Yo. Prison. Oh putain, t'es chiant toi aussi, toi. Viper de DD. Y'en a un qui vient me chercher? Merci. Mon dieu, je vous ai tous tués! Oh putain, j'ai glissé, chef! Oh la vache, putain, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le frein à main. J'ai pas de permis en fait. Ouais, j'ai dit ça, ouais. Attends, putain. Oh merde, c'est bon, t'es soigné, attends. Voilà, c'est bon! Il est coma. Mais non, il est pas coma. Patrick? Alpha de Bravo, si, vous restez en. Oh putain, appelez la sécurité civile, vite! Patrick. Oh putain. Il faut l'embarquer dans une voiture. Appelez la sécurité sociale. Canamo, vite. Maintenant que tu es médecin, appelle la sécurité civile. Déjà que tu sers à rien. La sécurité civile. Non, arrête tes conneries. Premier meurtre en tant que commandant des Vipers. Oh merde, j'ai pas fait exprès, putain. Putain de bagnole. C'est le médecin? Je suis vraiment mon commandant. Allez, salut fiston. Allez, vas-y, casse-toi. Ça va ou quoi? Ça va, et vous? Moi, je m'en fous. T'as une bagnole? Négatif. Ah, moi non plus. On fait comment? On y va à pied? Allez, viens, on patrouille à pied. Allez, Dédé. Non, je suis claustrophobe. J'ai peur des véhicules noirs. Ouais, je vais chercher une bagnole parce que... T'as une trousse à outils? Affirmatif. T'as une radio? Affirmatif. Est-ce que t'as la moelle, là? Est-ce que tu aimes les journées ensoleillées? Est-ce que t'as pris ton goûter? Est-ce que t'as pris ton petit goûter? Affirmatif. Est-ce que t'as pris les whisky du général? Je reviens, je me... Ouais, j'en ai une. Vous en voulez une? Ouais, j'ai grave envie de pêche. Ouais, bah, hop. Tiens. Une pêche. Alors,
sont pas en voiture. Pas comme vous voulez. D'accord, t'en fous quoi. Ah, on prend celle-là. Tu sais conduire? Affirmatif. T'as le permis de conduire? Affirmatif. Super. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu nous fais, Infinity, là? Tu craques ou quoi? Excuse-moi, des fois je vais parler tout seul. Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu fais, Infinity? Oui, c'est moi. Je te pose une question. T'arrives à comment à mettre les sirènes en marche sur le véhicule là? F. Le muscle. Non, il n'y a pas de muscle dans une voiture, les gars, il y a que des boutons, bordel de merde. Merci à la personne qui m'a percuté, j'adore, je l'aime beaucoup. F. F. Ça fonctionne pas, en fait. Alors c'est pas là, c'est... j'ai pas réglé mon truc. C'est dans quoi, bordel de merde? Je vais dire ça. Du masque pour le commandant. On se met? Vous voulez prendre Alpha? Non, non, vous prenez le plus gradé. Hein. Ah, je vais dire ça. Voilà. Attends, bah du coup, tu te mets avec... Non, parce que moi, hier... Moi, je suis avec... je sais pas qui, la Bellucci, je crois. Coucou Narlios. Ah, coucou, désolé, c'est un clip. Ah. Le bijoutier braquage en cours. Et passage 4. La Reaper. Un coucou Alain, Alpha, on part tout de suite. Un clip de quoi? Voilà, maintenant que c'est un peu organisé et que voilà, tout le monde est là. Donc voilà, bon ben super, on atteint bientôt la barre des 300 followers. Génial, franchement, nickel, top les gars, vous êtes top moumoute. Merci à vous tous, on va atteindre la section 300 followers bientôt, 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 bientôt. Et on se rapproche de plus en plus du partenariat Infinity James dans la police. Non, pas du tout. Toi qui viens d'écraser tes collègues. Moi, j'ai rien fait, moi, les gars. Moi, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu. Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi t'as les gyros? C'est parce qu'il y a une attaque de bijouterie, donc il y a rapidement... Ah, d'accord. T'es en train de me dire que d'entrée de jeu, on fait... Salut, Alex! Comment tu vas? Infinity, c'est magistrate, je crois. Nous détenons un auto. Oh, putain. Allez, ça recommence. J'ai pas de téléphone. Ouais, s'il te plaît. Ouais, merci. Putain, j'ai pas de téléphone. Nous détenons un otage de la SLE. Partez de là, nous vous recontacterons. Bon! Je viens d'arriver, j'ai mal. Salut, mon petit clinou! Salut, nos collègues. Qui? Cobra. Cobra, ça vous dit pas de vous arrêter après avoir dégommé Viper, non? Ça va? Ça va, Douglas? Douglas? Il va pas bien. Douglas? Non, il va pas bien. Douglas! Allez, vous m'entendez, là? Inconscient, ouais, il est inconscient. Ouais, il peut pas être inconscient vu qu'il se soigne. Non, c'est parce qu'il est en train d'apparaître. Allez, tu viens. Comment ça, il est inconscient? Il est inconscient, ouais. Il faut la sécurité civile? Je les appelle. Ouais. Il y en a qui les appelle, les gars? Je m'en occupe du mec. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore, oui, bah certainement. Qui vous voulez que ce soit? Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. En fait, aujourd'hui, si vous êtes rebelle et que vous voulez recruter dans la rébellion, n'oubliez pas que
Vous devez prendre tout le monde en otage. Vous n'avez que ça. Le braquage de banque est beaucoup trop difficile pour la petite rébellion. Nous vous conseillons, si vous voulez gagner de l'argent, de faire des prises d'otages. Alors, ils ne font que ça, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous, mes amis? La rébellion veille sur... Alors, ça me fait rire parce que quand on regarde un petit peu les histoires de la rébellion qui veulent libérer le peuple d'Altis contre l'oppression et les taxes du gouvernement, les prennent en otage. Alors, il y a un problème dans les histoires, les gars. Ça, c'est un petit PS, like Springfellow TV. Cœur, hashtag sourire. Ou pas. Quand vous voulez protéger les civils, arrêtez de les prendre en otage. Tout simplement. Hashtag, j'ai un super RP. Je protège les civils, mais je les prends en otage. Si tu es d'accord avec moi, viens sur Twitter. T'as appelé la sécurité civile ? Ouais, ils répondent pas, donc on va aller à l'hôpital. Ah ! Alors, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là, oui, j'ai commandé le Stream Deck. Le Stream Deck... Oh merde. Le Stream Deck arrive vendredi. Vous me recevez, mon commandant ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, c'est ma gueule ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va à l'hôpital pour le ranimer là. Ah putain, allez gaz. Donc vous continuez à les RCP dans le véhicule. Ou les braquer parce qu'il y a une belle bagnole. Ah ou ça, ouais. C'est la solution aussi. Oh, tu as une belle voiture, je vais te braquer. Mais je suis contre la protection des rebelles. Hein, t'es pas d'accord, Douglas ? Pas Douglas, c'est Bellucci. Ah, salut Bellucci, ça va ? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la rébellion qui protège les citoyens en les prenant en otage ? Bah, je trouve ça pas très intelligent. C'est vrai, hein. Et la rébellion qui protège les civils du gouvernement et de son oppression qui leur vole les bagnoles ? Pas très intelligent aussi, hein. C'est vrai. Et Bellic. Hashtag je suis un rebelle gentil. Sauf si le camion de livraison tombe en rade. Alors oui, Marigos, oui, ça arrive vendredi. Alors, faut me laisser le temps de le configurer. J'espère pouvoir l'utiliser samedi. J'espère. On verra. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Brocoli ? De quoi ? T'en penses quoi ? Quoi ? Du Stream Deck ? Ouais. Bah apparemment, parce que j'ai vu et j'ai regardé tout à l'heure, apparemment c'est facile à configurer. Ça prend une petite journée en entière. Ah ouais. Pourquoi tu me caresses la cuisse là, Bellucci ? En train de conduire, je peux pas faire ça. Non, t'es en train de me caresser la cuisse gauche. T'es en train de me faire des avances. Toi aussi, tu veux me pécho ou quoi ? Si, si. Si. Je sens une voix douce envers moi. Je sais pas pourquoi. Je te plais ? Quelqu'un là ? Le médecin est avec moi ! Le médecin est avec moi ! Bonjour docteur, vous allez bien ? Bonjour, ça va et vous ? Ouais, alors j'ai un problème derrière là, vous pouvez regarder là ? J'ai pris une balle dans le derrière. Oula, attendez, je vais regarder. Regardez le trou de balle. Le trou de balle. Marrant ça. Non mais c'est pas moi qu'il faut sauver en fait, hein. C'est lui là-bas. Hein. Vous avez rien monsieur. Dans la voiture ? Ouais. Putain, mais vous êtes vraiment... Voilà. Je vais en référer à votre général. Allez, 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 allez. Bon, il est où le blessé, là ? Il est où, putain, en canalant, Viper, putain. Vous me ramenez le blessé à l'hôpital ou quoi, là ? Allô ? On n'a pas de blessé dans notre véhicule, moi. Mais putain, il est... Bah, il est pas chez moi. Il est dans la Mercedes, sans le blessé. Dans la Audi ! Mais la Audi, c'est quoi ?
Il est là, mais il se prend pas quand il met les. Oh merde! Non, c'est bon. En fait, Bellucci l'a caché dans le coffre. Ah, Bellucci! Mais reste mon commandant! Oh merde! Il a pas de pouls. L'attention est bonne. C'est la dernière fois que tu crées la radio, toi. Hop, je suis mis. Sérieusement, mon général, attends, apparemment, défi. Si l'attention est bonne. En général, je suis dégagé. Bellucci. Ah putain, Douglas. Oh, Douglas. Douglas, bouge pas, Douglas. Le docteur va te soigner. Radio, radio, mon général. Ne bouge pas, mon commandant préféré. Bon, par contre, il y en a un des deux là qui redescend là. Hop, punéphrine. Est-ce que vous avez un Red Bull sur vous, monsieur? Oui, monsieur. Voilà, pas. Oh, tu invites, toi. Oh, toi, tu es bien, toi. Toi, t'invites les gens à boire, toi. Ça, c'est bien. D'habitude, on te dit, pas ta Red Bull. En plus, c'est Ramadan, là. Comment ça, c'est Ramadan? C'est quoi, Ramadan? C'est quoi, Ramadan? Bah, c'est Ramadan. C'est quoi, Ramadan? C'est 30 jours, durant le mois de mai. Où on gêne, nous, les musulmans. Vous gênez... Bah, pourquoi? Faut pas être gêné, hein. Non, pas de gêné. Ah, jeûner. Jeûner. Ouais, d'accord. Oh, mon commandant, ouais. Quatre unités, vous voulez que je sorte un fighter médic? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais. T'es un mec intelligent, toi. Tire à loin. Bon, Douglas, on va chercher un fighter médic. C'est bien pris. Allez, bah, allez, on bouge. Merci beaucoup, monsieur. Bon, ouais, il va rejoindre les méchants, là-bas. On va aller rejoindre les méchants. En avant, Pepperoni. On rejoint les collègues, les gars. Alors, ils vont où là? Ils vont la BK sortir le Strider. Ah, mais les autres? Là, il y a Odor qui va chercher un casque, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu comprends quand je parle Pepperoni? Oui. D'accord. Non, si tu peux être sûr. Non, mais la prise d'otage, elle est où là? La prise d'otage, de ce que j'ai compris, elle est dans l'Est, on n'a pas plus d'infos. Là. D'accord. Faux? Prise. De Tage. Quand je fais des points d'interrogation, ça me fait des guilis. T'as été chercher un téléphone du coup? Je vais aller chercher un. Brocoli. Je vais aller en chercher un. Voilà. Okay. Bonjour. Avec toi, du coup. Douglas. On était ensemble, donc okay. Si ça vous dérange pas, je prends Douglas. Non. Mais toi avec ta cagoule, t'as une dégaine. Mais ça te plaît, non? Non. Ah. Justement. Tu crois quoi qu'un véhicule en point général? Il est con ou quoi? Ouais, il est con, ouais, c'est Snid. Ouais, on se casse là. Bah, info sur la prise d'otage, je vais vous demander une dernière fois. Si vous CPA reste dans l'Est, nous abattrons l'otage. Est-ce que cela est compris? Ouais, bah super. Bah allez, on va aller dans l'Est. On va dans l'Est, Pepperoni. Ouais. T'as mis nos points en fait, Pepperoni, ou pas? Affirmatif, ils sont mis. Oh putain, t'es trop fort, toi. Tu veux monter en grade, Pepperoni? Dans la police. Hein? C'est le but dans la police. Ouais, c'est quoi ton but? Monter le plus possible. Ok. Tu t'arrêteras à brigadier. Ah. Un mort pour rien encore une fois. Et ouais. CPA, faites ce qu'ils vous disent. Ah, il y en a enfin un qui réagit, c'est bien. J'ai attendu. Et ils vont sûrement le relâcher. Je leur ai demandé de nous recontacter dès que l'otage est relâché. Bah voilà. T'as pris un téléphone ou quoi? Affirmatif. Ok. T'as une trousse? Mais la voiture. Oh, fatigué, Bellucci. Tu sais pourquoi je suis fatigué? Oh, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Moi non plus. C'est embêtant. Hein. Bon, vous êtes prêts là? Ah, merde. Vous êtes prêts, les garçons, ou comment ça se passe? Je suis bordé. Cavalerie. En avant!
Ah mais il est général hein. Il arrive. Il y a le major qui vient d'arriver. Ouais, voilà, major OP. Vous êtes long les gars, vous êtes long. On attend au caille quoi. Allez-y, au pire je vous rejoindrai à la BA. Je contacte la sécurité civile, donc allez-y, m'attendez pas. Là-bas, oui. Je les contacte pour voir s'ils peuvent me faire passer ma formation médique. Oh. Bah allez, on se casse. Canal 2. Merde. 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 Bon, on va tout. Voilà. Vous êtes tous sur le canal 2 ? Affirmatif. C'est qui le plus gradé ? Le général. Ah, par le général. C'est qui le plus gradé ? C'est Dumas. Dumas, tu prends le commandement de Viper, tu montres ce que tu sais faire. Allez, c'est parti. Ouais. Merde, du coup, je suis pas en stéréo là. Il me semble que vous aimez votre radio sur haut-parleur aussi. Ouais. Écouteur, écouteur. Donc pour Viper, on part direction BA, peut avoir prendre des infos sur cette prise de. Vers le sud de l'Alpha. Sud de Bravo, Charlie. Fatigant, tiens. Non, t'en penses quoi, Pepperoni? Affirmatif. Putain, j'ai pensé à toi ce midi. Ah. Manger des pâtes. Du alpha pour tous, on va s'arrêter à la station pour faire le plein. Reçu. Reçu. Donc pour les véhicules qui ont pas besoin de faire le plein, vous mettez en position autour de la station. De quoi? La rampage, ils sont de retour, c'est eux la prise d'otage apparemment. Ah. Embêtant. Ouais. Strider fait le plein. Affiche Strider en fait. Hein? Strider en quoi? Bon, il demandait si le Strider a fait le plein. T'as pas besoin de faire le plein là? Négatif. Ouais, c'est bien. De toute façon, t'aurais payé hein. Non? Oui, j'ai assez d'argent sur moi. T'as une copine? Négatif. Oh. Comment tu fais pour te... T'as quel âge? 22 ans. T'as 22 ans et t'as pas de copine? Négatif. T'as déjà eu des copines? Négatif. Oh, bah c'est bien. Moi j'en ai jamais eu à 40. C'est vrai. Ouais. Le seul plaisir que je me suis procuré pendant 40 ans, c'est tuer des gens. Torturer des gens. Les faire parler. Ça me manque, Bellucci. Bon. Ça me manque. Donc pour tous les Vipers, direction BA en ordre serré, Alpha Bravo Charlie Doc. 50-100 mètres entre chaque véhicule. Il y a beaucoup de 100 mètres. Hein. C'est reçu. Je confirme, elle est enceinte. Reçu de Bravo, pardon. Reçu Charlie. Les paris sont toujours en cours. Du coup, je vais être papa. Félicitations. On verra quand même dans 8 mois. Qui va être papa? Moi, je vais être papa. Kali, elle est enceinte. Pour une deuxième. Oh, enfin, merde. Pas encore. Rest in peace. Bah, c'est le fils qui veut être le parrain du démon. Personne. Moi je veux s'il est roux. S'il est mort, tu seras son papa en fait. Ah ouais, c'est vrai. Si il est noir, t'es mort en fait. Je peux faire le papa et le parrain, non? Dans une tombe, ça va être compliqué. Tu
fais pas peur. De Viper lead pour Cobra lead. Je parle sur la longue. Ah ouais, bah. Les mains, ils s'en occupent. Des informations sur votre position, besoin de notre renfort ou pas? Négatif, on a des réponses pas présentables pour l'instant en RS. Heureuse. Donc pour tous les Vipers, on va tourner à corps et on va aller faire un tour à Negades. J'ai reçu. C'était là, plutôt. Tourne, 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 tourne. Oh là là, vous connaissez pas la route, les gars. 18 secondes de plaisir pour 18 ans d'emmerde. C'était plutôt 18h, n'est-ce pas? J'étais pas loin du moulin, tu l'as fait pas moi. C'était pas le jour du moulin. Celui du bateau? Negades, c'est à gauche. Faut passer par l'autre côté, voir s'il n'y a pas des gens. Ah bah, je crois qu'on est dans une ville, faut faire le déploiement de la ville. Affirmatif pour Viper. Nous vous attendons au bout de Alpha. Si on veut aller à Negades, c'est de l'autre côté, Kevin. Oui, on va tourner. D'accord, ok. J'ai mangé quelque chose que je ne supporte pas, Bellucci. Non, c'est pas. Je sais pas. Vous allez bien? Où ça va? J'ai mangé barbecue et je suis malade. Pour nous, allez, direction Negades. Pareil pour Negades, on prend toutes les rues, on court et on prendra direction champ de LSD par la suite. Franchement. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Bellucci? Affirmatif. Tu t'ennuies avec moi ou pas? Non. Bah, moi, oui. T'es content d'être avec moi ce soir? Affirmatif, pour moi. Pourquoi? Parce que c'était bon. Ah. Donc comme je suis commandant, t'es commandant. T'es content d'être avec le commandant? Affirmatif. Ouais, c'est vrai. T'es fier d'être avec le commandant? Affirmatif, pour moi. Tiens, cite-moi un petit poème à mon effigie. T'en as pas en tête, pour moi. Comment ça, t'en as pas en tête? J'ai pas écrit encore des poèmes, mais pour moi. Ouais, allez, sois instinctif là, allez sur le tas là. Allez, vas-y, t'as 10 secondes. J'ai pas eu. Yapuri. Oh, toi, recrue Bellucci. Quand je te regarde, tu me fais penser à Petrucci. Petrucci était pour moi quelqu'un avec qui j'ai réfléchi. Mais comme je n'ai pas de cerveau et tu ressembles à un veau, va voir là-haut. Tu vois? Voilà, ça c'est instinctif, ça vient comme ça, là, tic-tac, bim, bam, boum. Il va pas tarder, mon petit Yuri, il va pas tarder, t'inquiète pas. RS sur la partie haute de la ville. J'attends mon deuxième modérateur, mais il travaille. Au sud, donc on descend sur le champ de LS. Au sud, bravo. Au sud, Charlie. Bellucci, c'est italien ça, non? Affirmatif. T'es italien? Je suis espagnol, mais ma mère est italienne. La Santa Mancantane. Allez, chante-moi italien alors. Je n'ai jamais appris. Chante-moi espagnol alors. Non plus, je ne connais pas. Ah putain, t'es espagnol italien et tu sais pas parler, tu sais pas chanter? Un négatif. Moi je suis polonais russe allemand. Ah, belle origine. Ouais, je sais. Pourquoi belle origine? C'est des beaux pays, je trouve, Pologne et Russie. Pourquoi c'est des beaux pays? Il pleut tout le temps. Non? Si, il pleut tout le temps. Pas forcément, ça dépend des régions. Moi je te dis, il pleut tout le temps. Ah, d'accord.
Pourquoi t'écoutes pas quand je te parle? Non. Quoi? Entendu, mon bon. Allô? Transmet. Donc pour les Viper, après le champ, il y a Alpha qui est Bravo qui vont check le traitement rapidement et on fait demi-tour et on rejoint Cobra. RS, champ d'Alpha. Yuri, ça t'est venu comme ça instinctivement ou tu l'as écrit toute la journée? C'est beau, non? C'est beau, c'est beau, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. J'aime. Donc du coup, ta candidature est refusée. Donc Alpha interpellation, Bravo en soutien, Charlie et Doc qui en retrait. Il se passe quoi là? On fait l'interpellation parce qu'il y avait un hélicoptère avec une personne à côté. Ah, donc on interpelle parce qu'il y a quelqu'un à côté d'un hélicoptère. Apparemment, D'accord. Un traitement DLSD. D'accord. Je suis vraiment mal assis sur ma chaise. Hein. Je suis désolé. Hein. Changer de chaise là et j'ai mal au cul. J'ai mal. Ah non, je peux pas monter là. Hop là. À tous, c'est SOS médecin, il me semble. Ouais, de Alpha FCR, mais il serait dit comme médecin. C'est son cabinet, apparemment, ici. Ouais, c'est ça, ouais. Demande-lui de te faire une petite blagounette. Il va te faire une blagounette sur les scorpions. Ouais, mais c'est Karimos, c'est pas lui qui nous avait envoyé des trucs par message autrefois? Si. Si. Daniel Karimos. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, t'as quelque chose à lui reprocher? Négatif. Ah bah voilà, tu fais rien. C'est bien reçu. Tu regardes, tu prends son identité, tu regardes le fichier des personnes recherchées s'il est dedans ou pas, et voilà. Quelqu'un peut vérifier? Je vérifie. C'est bon, c'est bon. Prends. De aucun, je vous ai rejoint, sur, je suis sur votre position. Je t'en ferai un in-game si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Du coup... On en est où de la prise d'otage là? Apparemment ils vont relâcher l'otage de ce qu'on a compris et Cobra veut arrêter les rampages. Ouais, communique avec ses collègues. Mais sinon, n'oubliez pas qu'on a encore une prise d'otage en cours. Oui, oui, on y va. Donc, pour tout Viper, on fait demi-tour, on s'arrête au garage de Negades et le Major Oka, il montera avec Bravo. T'es reçu, c'est Bravo. Oh là là. Et après, on file direction Cobra pour leur porter main forte. Ah, ça peut être temps. T'en penses quoi, Bellucci? Ça fait dur là un peu. T'as fait... Tu faisais quoi avant la police, Bellucci? En plus, j'étais OGA avec Monsieur Snid et. Le Viper Lead pour Cobra Lead. Et plusieurs autres. D'accord. T'es gentil quoi. Puis, il traitait bien les prisonniers? Ouais, affirmatif, sans mentir, on était gentil avec eux. T'es torturé un peu? Bon, bah pour tout Viper, l'appel est annulé donc nous continuerons notre patrouille à direction DP11. Bah du coup, de Snid, la personne a parlé radio à ses collègues soi-disant tout à l'heure là, la personne qu'on entend. Et elle a commencé à se montrer un peu agressif en mode « Mettez l'arme dans le dos, vous êtes sur mon territoire. » Tu parles du médecin là? Ouais, affirmatif. Et vous avez répondu quoi? On a préféré pas envenimer les choses étant donné qu'il y avait l'appel sur la Cobra. Ok. On est policiers les gars? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Ouais, on l'a envoyé un peu se faire foutre, y'a pas de soucis, ouais.
monsieur ou... Non, non, on passera plus tard, y'a pas de soucis, on aura chopé son collègue tous les trois. Reste. Donc pour tous, on partira direction DP11, Strider, on commence à partir devant. J'ai reçu d'Alpha, je vais doubler. Tout va suivre Charlie. C'est fatigant, hein. Pour le moment, affirmatif. C'est pas grave. On s'ennuie ? Ouais, on s'ennuie, hein. Un petit peu. Tu veux de l'action ? Non. Arrête de me caresser, s'il te plaît, Vélux. Vitesse de route 130-140 km/h pour pas distancer le Strider. Reçu des bravo. Je crois que tu t'es trompé, c'est 130 pour respecter le code de la route. Aussi. Non, 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 surtout. Général, il y a Clevin qui m'a appris la loi Doherty. Elle fonctionne pas? Tu aimes la nuit? Ah, négatif, on voit pas grand chose. Ils sont où tes parents? Non. Ils sont où tes parents? Là, ils sont en France, seuls ici. Ils sont en France? Négatif. Je sais pas, t'es pas enfant, un orphelin qui vient de Russie. Bon? Qui protège les civils de l'oppression du gouvernement. Non. Oh putain, qu'est-ce que ça encore? Putain, mec, des prises d'otages ce soir là. C'est la soirée des PO. A pris un otage, un nombre d'un A et bloque la mine. On va peut-être traiter le message, non? Cyrali Datos, on va avoir besoin de renfort au niveau du puits de pétrole. Bah voilà, allez, c'est parti. Bien pris pour Viper Lead, on arrive. Comrade, c'est reçu. Donc pour Viper, direction l'est, le puits de pétrole. Reçu de bravo. Ensuite de Charlie. Soirée prise d'otage, ouais, c'est ça. Tranquillement et on casse pas. C'est exactement ça, soirée PO. Je savais pas quoi faire aujourd'hui, ils se sont dit tiens, on est mardi, je vais faire des PO. Bon sinon, comment vous allez tous là? Vous allez tous bien? Oh bah là on est mardi, tout est permis, mais... Oh dis donc, t'as mis les gyros? Affirmatif. Ah c'est joli, t'aimes bien? Affirmatif, avec la nuit ça rend bien. Tu sais quoi? Chante-moi un chant de Noël. Allez. Bah je m'en fous, allez vas-y. Beau sapin... Roi des forêts. Allez, et après beau sapin. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta couleur bleuâtre. Je suis de la police, je suis un mec en or, je joue dans l'interceptor. Près de, derrière, au d'or. Ouais, je sais. Mon beau commandant, roi de la police. La 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 la. Ça te plaît? Ouais, affirmatif, mon bon. T'es vraiment suspect. Ouais, bon, il les avait été, hein, pour moi. Euh,
Je m'ennuie, Bellucci. Ouais, bah. Non, et quand je m'ennuie, je raconte de la merde. T'as pas une petite blagounette là? Négatif. Arrête de me caresser la cuisse, bordel. Excusez-moi, mon prendre. Putain. Tu as déjà goûté à la chair humaine? Bon. T'as déjà goûté à la chair humaine? Un négatif, mon compte. Ah. J'ai mal au cul dans la bagnole. Faudrait prendre des sièges plus confortables. Ouais, mais c'est pas donné le siège. Attends, c'est 159 euros le siège. C'est pas donné, hein? Affirmatif. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la sécurité civile. Ouais, je sais, je sais lire. Tu veux dire que je suis bête ou quoi? Négatif, hein. Ouais, je peux faire. Oh, magnifique coucher de soleil. T'as vu à gauche? C'est romantique? Affirmatif. C'est romantique, hein? Affirmatif. Ça me fait toute chose. Une petite blague ou pas? Toujours pas, mon compte. Toujours pas? Un petit poème? Toujours pas. Faudrait que je trouve l'inspiration de penser à toi. Tu veux que je te la donne, l'inspiration? Si vous voulez, mon grand. Je vais t'en mettre une dans ta gueule, tu vas voir si l'inspiration elle va pas venir. Pourquoi je suis violent comme ça, Bellucci? Tu sais, des fois je regrette d'être violent. J'aimerais être un petit agneau qui se balade à côté de son veau. Gambader dans les prés, sans forcément le violer. Quand la nuit tombe, j'ai l'impression que tout tombe. La violence est mon dada, c'est pour ça que j'ai pas fait caca. C'est pas mal ça. Voilà, c'est nul à chier. Salut commissaire Lecoq. Ah, excusez-moi monsieur Stiers, mais vous êtes trompé de poulailler, hein. Oh, j'ai mal. Yop yop Sardix, comment tu vas? Pour Viperly. Transmettez pour Viperly. Pour information, situation, contrôle sur le puits de pétrole, restez quand même dans les alentours si vous voulez au cas où. Situation quoi? Bien reçu pour Viperly. Alors on laisse des preneurs d'otages vagabonder, rassurez-moi, on va pas laisser vagabonder des preneurs d'otages quand même. Sur zone et on va faire un check de la zone autour. D'accord. Bellucci, tu connais l'histoire de mon poney Jelly Jumper? Toute personne répondant, tu veux l'entendre? Un signalement physique, arme, c'est... équipement illégal, interception directement. Je vais te la raconter, mon petit Bellucci. Mais promets-moi de pas la partager. Car cette histoire, je vais te la raconter et tu vas voir que mon poney n'est pas aussi méchant que tu penses. Il s'appelait Jolly Jumper. C'était un cadeau de mon père. Mon père était lui-même patron d'un ranch. Propriétaire d'un ranch avec des vaches, des taureaux, des bisons et des poneys. À l'âge de mes 4 ans, il m'a donné mon premier petit poney. Il m'a demandé, hey, Spring, comment veux-tu l'appeler? Et là, j'ai fait, je sais pas, mon papa, mais moi, j'aime bien le petit déjeuné Lucky Luke, donc je vais l'appeler Jolly Jumper. Donc, je l'ai appelé Jolly Jumper. Il m'a monté une selle dessus, je me suis assis sur la selle. Et tu sais quoi? J'ai galopé pendant des jours et des jours et des jours. Chaque jour, j'ai galopé sur le dos de mon petit Jolly Jumper dans la prairie de Neo-Shori jusqu'à Kavala. Et je revenais et j'ai rien à repartir. Jusqu'au jour où la cloche sonna et ma mère me disa, tu sais quoi? À table! Donc j'allais à table. Je l'accrochais à son poteau, je lui donnais une petite carotte, je lui donnais à boire dans un biberon. Et je me partais manger. Une fois avoir mangé, je remontais dessus. J'allais chasser le loup. Tu sais pourquoi? Le signe pour Viper Lead. Bah je pouvais pas chasser le loup, et espèce d'abruti, j'étais trop petit. Viper Lead, on reprend direction Pyrgos et puits de pétrole et on va faire un check de la zone autour de la pseudo prise d'otage. Bien donc du coup, je grandis. Pareil, et un jour, chacun une rue mon père me disait... Pyrgos totalement, on clean Pyrgos et ensuite on se retrouve au sud de Pyrgos. Un,
Oh, elle parle trop à la radio. Et un jour, il m'emmenait sur le haut de la colline de Neo-Churu. Il me disait, fiston, tu vois l'horizon ? Toutes ces terres nous appartiennent. Lors de ma disparition, ces terres t'appartiendront. Mais il n'a pas menti, car le jour où il mourra, j'ai eu ces terres en cadeau. Belle histoire, mon comment. C'est pas fini, attends. Donc, de doc pour l'ensemble, on va devoir faire le plein à la prochaine station. Et donc, du coup, j'ai continué à chevaucher mon Jolly Jumper. Mais Jolly Jumper devient de plus en plus vieux. Et moi, j'ai de plus en plus vieux aussi. Donc, un jour, il mourra. Et je l'ai enterré. Tu veux voir sa tombe ? Affirmatif, mais... Bah, je te montrerai sa tombe quand on passera devant. Je te dirai de t'arrêter. Et je te présenterai la tombe de Jolly Jumper. Ok ? Donc, pour tous, vous prenez position autour de la station essence, s'il vous plaît. T'as plu mon histoire ? Affirmatif. Elle est pas mal. Affirmatif. Est-ce que tu veux connaître l'histoire de mon chien Toxi? Allez-y mon grand. Alors Toxi est un petit chien que j'ai élevé à l'âge de ses 3 mois. Tous les jours il faisait ouf ouf. Moi je vais essayer de lui faire parler. Je lui apprenais des mots. T'as déjà entendu un chien parler? Pas négatif mon grand. Bah quand va boire du whisky tu verras. Tous les chiens parlent en bout d'un moment. Grand mon grand. Te serre. D'ailleurs, t'as pris du whisky, hein, mon patrouille hein. Pas négatif. Quoi? T'as pas pris du whisky? Pas négatif. Mais t'es sérieux, là, mec? Affirmatif. Par contre, faut pas le dire au général qu'on a du whisky dans la bagnole. Hein. Donc, écoute-moi bien, petite recrue. Quand tu seras avec moi, tu vas dans le bureau du général. Allez, t'ouvres la commode à droite. T'ouvres le premier tiroir, il y a du whisky de 20 ans d'âge. On poursuit un tu le prends. Qui a l'air civil, mais rien de spécial pour l'instant. Tu la voles. Tu le mets dans la bagnole et on picolera en voiture, ok? On va sauter les deux villages qui sont au-dessus de la prison. Dédé, jeudi, j'ai un rendez-vous à la BK à 20h pour le recrutement police, mais le problème, je me réveille au camp rebelle. Je fais comment? Bah tu prends un hélicoptère, un parachute, tu t'éjectes de l'hélicoptère et tu atterris en parachute. Bah tu fais ça, tu poses ton hélicoptère au vendeur du camion et tu viens à pied, hein, si tu veux faire. De toute façon t'as le temps, hein, c'est pas avant 20h30. Hein. 20h, bon rendez-vous, mais 20h30, tranquille quoi. Je sais pas, enfin vous démerdez les gars, vous êtes grands, merde. Hein, ils sont grands, Bellucci. Dis bonjour. Bonjour. Tu sais pourquoi je te dis de dire bonjour? Négatif. Oh, d'accord. Je dis quand même. Tu veux qu'on se fasse un petit selfie après? Oui, c'est avec vous, après la prise d'otage. Ouais. Hein? Après la prise d'otage, pourquoi pas. Ah, il y a encore une prise d'otage? Apparemment, je sais pas. Pas enfin, le puits de pétrole. Donc pour tous les Vipers, une fois que Pierre Gosse est clean, on part direction le sud, direction Panaya, on va check la zone. Oh, c'est mort. La fameuse Ferrari rose. On prend la principale ou... Vous prenez t'as vu un peu. J'ai perdu du pognon. La carrière. J'ai perdu du pognon, j'ai perdu 25 millions, mec. Tu vas le faire, on me laisse passer. Ouais, pour vous payer, bonne enfoiré. 25 millions que j'ai perdu. Je vous ai payé vos salaires avec moins de sous à moi. T'écoutes quoi comme style de musique? Tout ce qui est hip-hop en ce moment. Oh putain, encore un putain de rappeur. Non, c'est hip-hop, c'est pas de rappeur. Bah t'as un rappeur. I was a hip-hop, I did hip-hop, hip-hop. C'est ça non? De V-Edit pour Alpha, je vous ai mis un tracé sur carte à suivre. Hein? Un peu dans ce style, effectivement. Ouais, oh, d'accord. Moi j'écoute Herbert Léonard. Pour le plaisir! Tu écoutais? Ouais, mais non. Est-ce que tu trouves que j'ai une voix douce et sensuelle? Ah,
affirmatif. Ah, je sais. Tu penses que le lapin de Pâques existe vraiment ? Négatif. Est-ce que tu penses que la souris vient effectivement chercher une dent sous le coussin ? Négatif aussi, mon con. Est-ce que tu penses que la Saint-Nicolas est une fête réservée uniquement aux gens de l'Est ? Ah, négatif non plus, mon con. Tu fêtes la Saint-Nicolas, toi ? Ah, négatif pour ma part. D'accord. Pourquoi ? C'est pas une fête qui attire ma famille, visiblement, quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Donc, t'as été martyrisé toute ta jeunesse ? Négatif, T'es poli, toi, hein ? T'es poli, toi, Affirmatif. T'es gentil. Arrête de me casser la cuisse, Gucci. Excuse-moi, mon con. Putain, ça fait 4 fois, quand même, hein. Au bout d'un moment, je vais penser que tu veux me pécho. Hein. Négatif, mon con. Des Viper Lead pour Cobra Lead. À l'écoute. Donc nous allons faire un check de Panaga et ensuite on remontera direction Sharkia. C'est bien pris. Je m'ennuie de l'outil. Attention, vous avez une équipe qui arrive en face. Une quoi ? Aussi mon con. C'est quoi à droite là ? Camion. Droite c'est le puits de pétrole mon con. Ouais je sais, je vais voir si tu le savais. On a une équipe qui fume à droite là. En quoi ? Équipe qui fume à qui a passé. Donc Viper on va dessus. Le Viper lead pour Sierra Lee. Spring, désolé, j'avais eu un bug. C'est quelle heure jeudi pour mon recrutement ? 23h, Dylan. Tu présentes à 23h. Comme ça, je suis sûr de pas te prendre. On a pris un énorme coup de vent, mais ça va. Donc, pour Viper, on reprend la route normale. Recule un peu, là. Et voilà, t'as lâché une information. Oh la Sierra, bravo, super. Mais je veux pas genre tu le fais pas, mais on fout dans la merde là. Allez Samuel. Non, moi c'est Albert, Albert Shit. Ah bon, c'est Albert. Non, non, enfin... Yankee, allonge-toi. Ah, bah bon, vas-y, j'y vais. Non, bah du coup, c'est moi là. Eh, tu veux pas comme ça. Je suis obligé de te muter, désolé. Tiens. Eh bisous. Mais vas-y. Prends ton véhicule et ouais, tire ton. Non, par contre, Hugo, sérieux, truc. Sérieux, je vais me faire fumer. Si tu sais qui c'est le mec qui donne les coms là au Funny Robot, tu donnes l'identité et tout et on le chope. Qui donne pour pour les familles là. Pour les Vipers sur zone, c'est bon. Ok, reçu, donc on repart direction Panaga. Si c'est bon pour Je trafique dans la voiture, écartez-vous. Recule. 90. Parce que, ouais, les rebelles ils sont assez cons pour livrer des infos au camp rebelle. Bon, allez, la bise. Bah, merci. Ah, je te tiens. Tu sais que tu m'as fait vraiment flipper en plus. Ouais, je sais. De Viper Lead, c'est derrière vous, hein, Panaga. C'est la ville à côté de la principale qui est. C'est la ville qui est la première au sud de nettoyage de sel. Ouais, je mettais juste mon point. Zéro Trinks. Pour tous les Viper.
plus de place. Et on remonte direction Charquière, la route. Je suis complet. J'ai 15 effectifs à partir de jeudi. Reçu de Bravo. Reçu de Charlie. Une demi? Une demi quoi? Une demi bière? Un demi whisky? Bon. Hein? J'ai pas entendu mon con. Un Vapor League pour Cobra League. Non, je parle dans ma tête. Ah d'accord. Transmettez. Vous avez une indication physique, un descriptif physique sur les soi-disant preneurs d'otages? Affirmatif. Négatif. Bien reçu. Cobra, je crois qu'ils sont pleins aussi. Affirmatif. Ouais, Syra plein aussi, je crois. Affirmatif et CPA aussi, donc... Et CPA aussi, donc... On va devoir faire le tri, hein. La sélection naturelle, disons. Malheureusement, je vais devoir me séparer de quelques policiers d'ici 7 jours. Affirmatif. Tu veux être le premier viré ou pas? Négatif, mon con. D'accord. Donc on reprend pour tous l'ordre de route direction Charquière. Attention, on a la sortie, pas de guerre. Vous êtes. Vous pouvez partir, bravo, déjà en route. Au nord, route principale. Chaud patate, hein. Donc tu es trop grand, tu seras pas prêt. Chaud chocolat. Lucci. Affirmatif. Raconte-moi une histoire. Je n'ai pas d'histoire. Putain, t'as pas de blague, t'as pas de chanson, t'as pas d'histoire, mais putain, mais t'as quoi toi? On fera un chèque de la ville, on partira. Hein? Reçu, bravo. Oh la gueule, putain. On se fait chier avec toi. Arrête de caresser ma cuisse. Du coup, je vais parler dans ma tête. Est-ce que la communauté Springfellow TV est dans la place? Dites oui! Dites oh! Dites non! Alors, j'espère que Mortaxi farme bien et que Alex aussi. Dédé et tout le monde a peur de toi. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Personne n'ose me parler. Pourquoi personne n'ose me parler, Bellucci? Je ne sais pas. On devait être empoisant. Donc on... Tu penses? Affirmatif. Pourtant, ils m'ont pas encore vu tout nu. Je crois qu'on se fout de ma gueule. De Cobra Lead, on a la Rampage, on les a localisés avec leur radio. Ils sont vers la bonne mètre. Acteur de cigare. Envoyez CPA. Ah merde, c'était sur la longue, désolé. Labo de Met. Tout et c'est... vous confirmez que c'était la Rampage tout à l'heure qui a pris l'otage ou pas? De Bralé, donc il y a un hélicoptère qui nous a vu, du coup je pense que c'est eux. Ah! Pour info négatif, on n'a pas d'info de descriptif physique sur les preneurs de tâches. Non, c'est... Couche à pied à Pune. Reçu, donc on remonte direction Dorida, on reste à proximité de Cobra. Cobra Lead pour CPA, on a besoin de vous vers l'est au niveau de Chalkia. Et pour Viper, on se retrouve Chalkia aussi. C'est qui lui? Putain, mais tu sais rien toi. Putain, mais tu sers à quoi Bellucci en fait? Je ne sais pas. T'as pas de blague, t'as pas de chanson, t'as pas d'histoire, tu sais rien, t'as pas de copine. Mais putain, ta vie c'est vraiment bizarre. Cobra Lead pour Viper Lead. Transmet. Vous pouvez passer canal 1 s'il vous plaît?
Non. Donc passage canal n'importe où. Go LSD. Didi, en fait le règlement police, on appuie accès normal. Oui, normal. Qui est entièrement en train de changer. D'ailleurs, il me semble que ça a été fait. Prenez conscience et prenez lecture du nouvel règlement de l'île, du serveur, car il y a des nouvelles règles. Normalement, ça a été modifié par Franck, il me semble. Ou Jackson, plutôt. Mais je ne suis pas sûr que ça a été fait. Mais regardez, vérifiez bien l'actualité du mise à jour des règles. Ce serait quand même dommage de faire de la merde et se prendre des avertos bêtement parce qu'on n'a pas pris à jour le règlement. T'en penses quoi, BLG ? Affirmatif, il faut prendre en compte. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es blond, BLG ? Hein ? T'es blond ? J'ai jamais vu ta tête, toi. Ah, je suis pas blond. Ah ouais, t'es bon. Pas rasé. Par contre, t'aurais pu aller chez le coiffeur. Hein. Affirmatif, Et bien l'idée pour toutes les unités, venez sur la oil, ils s'apprêtent à braquer la oil, la rampage. Oh, cavalerie, cavalerie, en avant, canal 1. Dispositif de route et let's go la oil. Pour les coups droits séparés, direction oil. Allez, on s'active les gars, là, hop, 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 y'a plus d'alpha, bravo Charlie, là, là on est en intervention d'urgence, là, go. Faut que ça percute un peu les gars, là. Un passage effet le tracé pour tout le monde. C'est normal là, putain. C'est mou là, putain. C'est mou, c'est mou, c'est mou. C'est mou. C'est mou. Oh Gaspard. Des culottes usagées. Chemin pour CPA. Tu connais ça? C'est l'acheteur de pétrole ou c'est... Putain, mais quoi, il y a rien ce mec là, putain. Oh là, ils sont déjà dessus, dépêchez-vous. Rectification avec Coco et acheteur. Précisez le prochain point. Là, ils sont actuellement acheteurs de pétrole, on a plusieurs belles autour de... Oh, Gaspard. On est des super-héros. On a des super-héros. On arrive, il faut plus vite. Tu connais pas Gaspard? Non, c'est qui m'a pas. Oh là 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 là. Il écoute du hip hop, il a pas d'histoire, il a pas de blague, il a pas de copine. Je vous présente le mec le plus malheureux du monde. Ah, il s'appelle. T'es pas malheureux, t'es heureux en plus. Ouais, ça dérive un peu là, je crois. Apparemment, il y aurait la rampée, tu vas l'acheter de pétrole. Ah, j'ai entendu. Merci de me le répéter. T'es en train de dire que je suis vieux et sourd. La zone et on va procéder par un système d'étau en resserrant sur eux. Alors, qui lance les paris que ça part en prise d'otage? C'est reçu. Moi, je vous parie que ça va partir en prise d'otage. Allez, on parie? C'est Calimero. Moi, je parie la PO. Pas à la rampage, j'ai dit, mais bon, je sais que t'es pas censé savoir. En gros, ils font un champ car on va facile. Ouais, ouais, ouais. Tu vas avoir une bonne soirée, Dédé. Ouh, soirée des parions, parions sport. On parie quoi? De Vipery pour CPL. Moi, on parle de la rampage. Je pense que vous avez combien de packs sur l'acheteur de pétrole? Ouais, bah c'est clair, ça va être un sacré truc. Ils vont faire des PO, ouais. Si c'est pour faire de l'argent, je vois pas la... En fait, RP parlant, je vois pas l'intérêt de faire de PO si c'est pour l'argent, en fait. Pour information, c'est PA10, on a plus ou moins entre 4 et 5, 6 packs sur l'acheteur même. Enfin bref, si moi je devrais... Si moi je créerais une famille rebelle, qui pense un jour arrivera, je pense que l'APO sera uniquement et le seul moyen pour revendiquer quelque chose, en fait. Pas pour de l'argent, je pense. Ah ouais, c'est sympa ça, Trinx. Qui est en train de dire à son service.
Répétez. Attention, les opposés de DRS. C'est génial, ça prend des prises de faire des prises d'otages pour replaquer une bagnole. En fait, je sais plus que j'ai leur radio, ils ont fait une com comme quoi ils étaient vers station service, où est-ce qu'on est là. Donc ils sont potentiellement placés ici en un sniper ou je ne sais quoi. Ils viennent de faire une com comme quoi on est passé devant eux. Ok, bien. Donc ils sont excentrés, il y a un groupe à eux qui est full excentré vers nous. Ok, ok. Vous avez un véhicule qui a fait demi-tour, qui arrive en position sur vous. Cobrain, pour cette balise, vous pouvez venir spawn si vous voyez pas un véhicule vers nous, s'il vous plaît. On a un rapport qui vient de passer. Ok, pour information, j'ai un véhicule noir à 170 km/h qui nous a dépassé route principale direction Douane Sud. Ah, il a cassé. On vise du cité civil à l'intérieur. Ouais, c'est ainsi. Ouais, bah ça va rien dire, les gars. Cobrain, quand vous envoyez pour cette balise, vous pouvez nous envoyer un L4 sur nous ou pas? Ça va être tendu. Ok, j'ai les âmes, Quoi? Vas-y, charge. Ok, go sur le point, de PAX. Point de PAX, ils sont actuellement. Point de PAX, on y va là, c'est les rampages, il faut les français, choper. Les gars, français. Tout le monde dessus. Information, le raptor qui t'as signalé. À gauche. Ensuite, à gauche, au long de la mer. Ils sont dans un VL, ils partent. C'est un ML noir. Faut choper le ML pour tout ça. C'est les rampages qui sont seuls. Deux docks pour toutes les unités, une PMA a été demandée et installée à la BA. Reçu. En direction de Piergos. L4, Piergos. Ah ouais, mais c'est ça le problème, quand Joey est pas là, c'est le bordel en fait. Ok, CPA de DD, j'ai un L4 sur ma position. Hein. À gauche. Par contre, va sur DD. Mais il y a 3 L4 dans les airs, du coup. Affirmatif, au-dessus, route principale. 3 L4 armés avec tireurs. Hein. Apparemment, ça serait Joe qu'on a devant nous. Ok, allez, on top, les gars. On top. Minute. C'est Joe et les L4 vont arriver sur zone. Bien reçu. Alors, pas d'extraction par en hélicoptère s'il casse, hein. Vous rigolez pas, si c'est lui, si c'est confirmé, c'est Tatane, on s'en fout et on embarque. On va l'extraire en hélico, s'il s'extrait en hélico, vous faites les somas orales en criant très fort, reçu ? Pour tous, mettez vos casques lunettes. Ouais, mais ta cagoule, tu sens. On repart du niveau Piergo, ça fait. Oh merde, j'ai plus ma cagoule. Si elle est là. Non, c'est... Alors, du commandant, du CPA, vous mettez en joue les hélicoptères Cobra Sierra, vous faites le nécessaire, machin, comme d'habitude, et Cobra Viper, vous interceptez le véhicule et vous faites en voie forte s'il y a une extraction en hélicoptère, reçu. Vous faites les somas et si ça dégarpille, vous allumez. Ça repart direct sur Douane Sud. Ils rentrent sur leurs collègues. Faites gaffe, Wers. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le prendre en otage? Ils veulent le prendre en otage. Ah bah voilà. Bravo Viper, on a cassé. Donc de tous, ils vont prendre en otage là. Allez, on récupère le Joe si c'est lui et on aura aussi un otage. Enfin, un prisonnier. Je confirme que c'est un otage donc il faut l'arrêter rapidement là. La fille, ils veulent un otage là, ils sont en train d'en prendre un. Sherman, arrête le. Il y a toujours la R ou pas? Ah fille. Si on veut l'avoir avant qu'ils aient un otage. Allez, c'est parti les gars, c'est maintenant ou jamais. Hein. Tapez maintenant. Otage dans la crone noire en face de vous, vous pouvez la taper en face de vous, otage. Crone noire isolée en face de vous. La crone les gars, go. Ok, go. Occupez-vous de véhicules.
T'appelles la crône, doigt de sud. De commandant, doigt de sud. Ouais, ouais, tu te donnes. Allez, take down effectué, code noir enclenché. Tirez pas tant qu'il y a l'otage. Allez, on interpelle. L'otage dans la crotte. L'otage est descendu, l'otage est descendu, l'otage est descendu. Allez, on embarque, c'est code noir les gars, si on a le prisonnier, on a l'otage. De toutes les patrouilles, route principale. Affirmatif, vous faites les sommats les gars. Le bordel, putain. Attention, attention, il va s'arrêter. À tous, vous calmez radio, vous restez calme. Vous me dites quand est-ce que vous avez tatane et lorsque vous avez récupéré l'otage, s'il vous plaît. Ok, code noir enclenché sur les véhicules. Vous faites les somas sur les véhicules circulants. Ok, reçu. Bah, code noir, les gars, vous allumez. Je vais vous placer un peu devant eux. CPA de commandant. Vous venez sur ma position, j'ai le véhicule Mercedes qui prend la fuite, vous pouvez l'allumer, vous. Ah putain, j'ai mon... Le bordel, oh là là. Sortez. Allez, vas-y. Rider Medic, j'ai besoin de vous, là, j'ai de la commission en poste. Il a bougé, ok, c'est... C'est bien dit pour DD. Transmet. On peut pas venir sur toi, il y a 3L4 sur fait. Bien reçu à tous, pour information, nous avons effectué les sommations à la tire létale sur la Mercedes direction Pyrgos. 2 Doc qui a demandé un renfort médical sur sa position. Ah c'était bordel putain. Ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Direction Pyrgos. Il y a qu'un C'est reçu DD? Hein? Ouais, reçu, ouais. Je suis en position, je répare. Pépito, okay. Je suis tout seul. Ils sont tout seuls hein, pour. De quoi? Ils sont tout seuls pour Joe. Ah, bah c'est pas grave, on va les rejoindre. T'inquiète. De Doc, je vous mets des points Pax. Cobra 3, on a le MN direction Pyrgos, on est tout seul, besoin de renforcement. Alors, toi, mon gogo, si tu te mets en stat, t'es pas bien. La merde ou quoi? Ah ouais, 1000 mètres. Forcément. On peut toujours tirer à. Hein? Se monter avec notre pack. Ah, ok. Allez, parti. Bah ouais, hein, on les connaît à force. Hein. Attends, je regarde sur la carte combien ils sont. Alexandre Lopez. Non, je vois rien comme ça. Trop teinté, je n'arrive pas à voir. Casser. Max de type. Transmettez. Il me faut un dragon là, il est dans Pyrgos, il est en train de me semer le gars là. Actuellement, on a 3 dragons sur nous, on peut pas. Syra de Viper Lead. Max de DD. Ma gueule ou quoi? Il roule à... pas vite. Il roule dans Pyrgos là. Max de DD. On va pas changer de radio. Tu peux appeler la Sierra en renfort, ils sont au niveau de la oil. Montez. Sherman pour les unités Sierra. Ok. Transmet. Nex, c'était dans le radio. Sherman pour les unités Sierra, la oil. Transmettez. On a besoin de vous, on est à la recherche d'un ML noir qui serait au niveau de Pyrgos. On a besoin de renfort. Allez, ok. Pour Rio, on va terminer.
urgence, c'est où? C'est Douane Sud. Négatif. Douane Sud. Douane Sud en bas. Hein? Douane Sud? Non, non, tu go sur Sherman. Ils sont assez nombreux là, sur Douane Sud. Fais gaffe au TE, hein. Tu reçois l'ordre qui? Tu transmets? Y'a leur page ou y'a Arthur qui me commande? Ouais, j'en suis là, là. Je pense qu'il a droit à rien pété. Ça me porte. Désolé, les gars, j'ai plus ça, mais je suis sorti. Qui sort d'un Pyrgos, c'est qui nous herse et qui nous rafale, hein. Ouais, bah justement, faut faire gaffe. Voilà. J'ai les deux sur moi, je vous le... De Sierra, info sur vous? On cherche un ML noir, Mercedes ML noir, avec deux packs à l'intérieur. Bien, vos instructions à suivre quand on le voit? Actuellement c'est code noir, mais refaites une sommation pour être tranquille. Reçu. Apparemment, très important à capturer dans ce véhicule. Je vais retourner vers le conflit, moi, Dédé. Sierra, vous êtes de Sierra, de DD, vous êtes combien d'unités là? Actuellement, on a une voiture sur vous, votre unité s'occupe d'autre chose. Ah bah négatif. Ouais, ok. C'est le bordel là, il y a autre chose à faire que ça là. On est en difficulté, j'aimerais bien du monde. Et la priorité, c'est les collègues, les gars. Donc on extrait sur les collègues. Hein? On retourne sur les collègues. Ouais, on retourne sur les collègues. Donc Sierra, vous avez la mission de retrouver ce véhicule aux alentours de Pyrgos, Mercedes noir avec Joe, chef de la famille rebelle Rampage. Je le veux vivant, reçu? C'est reçu de Sierra. Et bougez-vous un petit peu, Sierra. Là. Oh, y'a un véhicule là quelque part. Bah, entendu? Ouais, alors t'as bien un véhicule. Ouais, retourne sur les collègues, c'est pas grave. On laisse Sierra, ils se démerdent, c'est leur boulot. Bon, c'est vrai, les unités au sol. Il reste plus beaucoup d'unités. Niveau des packs, ça se trouve à peu près. Hein? Il reste plus beaucoup d'unités au sol, visiblement. Ouais. Des infos sur des potentiels packs là actuellement ou pas? Confirmer que la douane sud est clear ou pas? J'ai pas d'infos actuellement, je mets moi. T'en déconne quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être eux, hein, non? Ouais. CPA de Viper. Transmettez. Vous êtes encore occupé là? Ma fille, ouais. Ah putain. Sierra de Viper. Ma fille. Foncez à la mine d'or, il y a des rebelles apparemment. Ma fille, c'est en escroquerie. Donc je pense que c'est le véhicule qu'on recherche, ils veulent des otages absolument. Bien sûr.
On a des collègues qui se sont fait abattre ici, non? Ouais. Ouais, je pense, ouais, c'est au début du conflit. Klaxon. Je vais dévier sur Minder au cas où si c'est les mecs qu'on recherche. Ma fille, moi. On fait quoi là? Non, on va sur Minder. Je transmets. Je suis à Nelcat actuellement. On a Nelcat qui se pose actuellement à côté. Ah, fille, ouais. Allez, c'est, on fonce sur l'hélico, foncez sur l'hélico, les gars. Il y a une récupération là, ça doit être le véhicule qu'on cherche. Go, go, go. Et où l'L4, je le vois pas. En face de nous, toujours tout droit. Il est où l'hélico qui se pose? Au niveau de la colline. Position c'est Sherman, donc c'est de, en tracker. Ok, tout droit, toujours tout droit, derrière la colline. Il a atterri déjà ou pas? Action Sharky actuellement. Ah, si je l'ai. De Doc pour caser Victoria. Info? Direction le Mildor, hein, toujours valable avant qu'on. Oh là! Je crois que c'est les collègues CP1. Info tir NTW? Info NTW? C'est le CP1. Reçu. Oh, mais il est con lui! Il a lâché ou pas? Neg, il est là, dans deux L4, on s'en fout, on s'en fout. Il y en a trois, les gars. Écoutez les gars. Ouais, ouais. Un véhicule orange. Ah, c'est la sécurité civile. Ouais. Allez, arrête-toi! Mais non, arrête-toi! Allez, c'est bon, monte. Tu m'entends toujours du mal? Ouais, c'est bon. Et le bac que tu m'as mis là, il est toujours dans un pot? Toujours actuel, il était au sol vers le bâtiment. Ok, ouais, je vois. Pas plus grand chose, non, pour le coup? Non, attends. Ok, du coup, de Sierra, on a trouvé le ML sur mine d'or, on aurait besoin d'aide, s'il vous plaît. Reçu, on arrive de. Ok, de Viper en direction mine d'or, on se dépêche. Ouais, on est parti. Je vais être tranquille devant le temps qu'on va comme ça. Ouais. Même sacré des organisations. Hein. Mmh. Ouais. J'ai bientôt fini ma période d'observation, on va dire. Oh, ah non, c'était. Tu me rappelles quelqu'un qui casse tout le temps, en fait. Un faux shoot. Touché, L4 touché. Il va se crash. Il y en a qui va se crash. Bien joué les gars. Allez, chier. Le pick pour Yankee. Parce que je reçois les shields depuis tout à l'heure par deux L4. Oui. Ah si, on vous reçoit, mais à partir de maintenant. Ok, on a un VL avec deux packs dedans. Non. Position. Affi, ils ont un coma. Ok, on a également un deuxième VL avec un seul pack dedans. Rebelle sur VMA, les gars. Tu vas à Mildor ou PMA? Qui se fait attaquer? PMA. De Cobra 2, on va sur la BA. Le Rebelle. Bien reçu, Viper direction Mildor et pour Cobra, vous allez PMA.
faut aller sécuriser la PMA. Hein. Ok, on y va, de Viper Lead, j'y vais. De Doc, on vous suit, de Cobrade, on y va aussi. Affirmé. Tenue des rebelles ? Négatif, j'ai vu ça en message. D'accord. Bon, si ça a rien à voir. C'est monsieur le ministre. Cercle mis sur carte. Echo L4 au-dessus, non. Ouais. Point pressé impossible, ils sont en mouvement. Ok, CPA pour information, j'ai un L4 qui prend la direction de l'est. Direction Sofia. Reçu, mais pas d'info sur cet L4, on a toujours les deux là qu'on poursuivait. Ok, bien reçu. Enfin, moi je m'achète un siège, hein, bordel du cul. Hein. J'ai mal au cul, les gars. Ah, si, on a des packs par, des policiers par terre, les gars. Mais, BA. On suit. C'est par la porte en face. Un faux tir. Allez, faites-moi un changement radio général là. Bouge. J'ai vu un mec à l'intérieur. Hein. Ouais, bah bouge. Il se bat dans les bureaux. Ok. Bon, à tous, pour information, rebelle dans la BA. Bouge. Ouais, ben mets-toi derrière un mur, ah, mets-toi derrière un mur. On va crever. Bouge de là, bouge de la zone, va tout droit. Ouais. À tous, rebelle au niveau de la BA, Fais-moi un appel longue. Rebelle au niveau de la BA, besoin de l'unité. Ouais. Putain. Ouais. Sonne-toi. Ouais, sonne-toi. Je te soigne. Tu me dis, tu surveilles aux alentours. Putain. J'ai rien compris là. En fait, ils étaient sur la route. J'ai vu. Test. Ok, à tous, pour information, nombreux Pax rebelles, code noir, autour de la BA et dans la BA au niveau des toits. Mercedes grise, CLA. Tenue sable. Au noir. Au noir, c'est Scorpion. Ah bah, faudra qu'il m'explique. Deux packs sur le toit. Reçu. Ils sont là. Attends, je m'arrête. Ils sont sur la route, devant nous. Où ? Là. C'est ça ? C'est ça ? Ok à tous, direction de fuite, Audi A4 noir, break, direction Kavala, route principale. Info ? Il a ralenti, je dirais. Ouais. Rien bouge. Les gars, le strike, vous pouvez faire pousser le mec sur le toit, comme ça on l'abat le mec sur le toit. On s'arrête ici ? Ouais, arrête-toi là. On s'arrête là. Je rentre dans le bâtiment en construction pour avoir une meilleure vue. Ouais. T'as fermé le véhicule ? Un négatif. Information sur zone, messieurs. Code noir. Sur la BA. Dans la BA directement. Ouais, oh, sur le toit. C'est pas assez pour vous. De Sierra, les points carte, deux packs sur carte, sont-ils encore d'actualité ? Négatif.
On a pas de visée dessus. Ça va, t'inquiète pas, ça va arriver sous nous. Oui, dans la BA. Dans une heure, c'est pas en bas. Hein? Ils ont des otages à l'intérieur ou... J'ai pas compris. VL noir qui tourne autour de la BA près de la tour de contrôle. Ford Focus. Code noir sur zone? Ma fille. Et les gars, si elle tourne autour, battez-le, hein, elle a rien à foutre, elle a rien à faire ici. Hein. Alors, pour information, je récapitule. Ah, Audi A4 noir, jante rouge et Mercedes grise, c'est elle, a reçu? Reçu. Véhicule qui part en hors-piste, direction Gravier. Ok. Ok, il y a aussi un 4x4 CLA noir sur Gravia actuellement. Ford Focus RS noir également aussi sur Gravia. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des véhicules. On a 4 véhicules en tout. On va essayer de se faire au niveau de Gravia, nous, pour nous. De Sherman et de Scott. Okay. On arrive avec vous, Sir. Je vois un mec sur le toit de la BA. Toit de la BA. Vas-y, défonce-le. Ouais, je peux pas, il s'est couché. Il nous combien de mètres? Pour le moment, on va se concentrer uniquement sur la BA et où c'est. On va de l'autre côté. Reçu. On s'en est une. Fais gaffe, y a du monde dans le garage à la BA. Ne progresse pas tout seul. Dans la BA, vous me recevez, les gars? Ils ont un otage. Un otage flic? Ouais. Non, il y a un otage, normal. Ok, la RS6, la RS6, la RS. Où? Oh. Allume. Info shot. Je crois que c'est notre collègue. Non, ça shoot sur les. DD shoot sur les packs de voiture, le noir. Merde, je suis tombé. Tu l'as eu? Non, je sais pas. J'ai pas l'info. Je pense, hein. J'ai visé les vitres. Vous me recevez à tous? Okay. Je crois qu'ils ont pris le ministre en otage. Ah, eh ben on encercle, on sécurise l'extérieur et on encercle la baie. Je le vois là, sur ma fenêtre. Je vais refermer la porte de la baie. Ouais, je vais. Bah, forte, allume. Ouais, j'essaie d'avoir le visu d'avant. Je sais pas s'ils ont pris, je sais pas si c'est le ministre, mais il habille tout en noir avec une chemise noire. Ok, véhicule stationné au niveau de la route principale. Bâtiment repère de bombe. Rafi. On aurait besoin d'aide sur position charge. Sira, on arrive. J'active la liste, c'est au niveau repère de gang. Bâtiment repère de gang. Faut qu'on trouve une technique, les gars, pour sauver les otages. J'essaie de progresser sur le bâtiment de construction en face. Non, on reste là. Est-ce qu'on a un message téléphonique de la prise d'otage? Ney. Ok. Est-ce qu'il y a une unité qui peut se déplacer sur Sherman, s'il vous plaît? Parce que là, on est dans. On peut pas bouger sinon. On a deux packs, ça se fait. Merci. Sira, on est là. T'as visu ou pas? Pour l'instant, non. Véhicule a bougé, Dédé. Un véhicule. Ouais. Confirme repère de gang. La fille, aux alentours. Okay, ils ont des. Ils ont laissé leur véhicule. Ils ont quoi? Ils ont dû laisser un de leur véhicule. La fille, il y en a un dans le repère de gang. À une fenêtre. Ok, là, gauche. Premier ou deuxième? Ouais, j'ai vu. Ok, tu me suis, Scott. Ok, à tout, j'ai une Audi A4 noir break direction Atira. Quelqu'un a un boubou pour Cobra? On a oublié dans le véhicule. Tira, on a boubou. Suis, toi de la BA. Je vais faire feu. Ok, il s'est couché. Info, repère de gang. C'est clean. Bébito et Cobra. Couverture sur le repère, on a deux mecs. Position dans le repère.
Repère, c'est bon, on essaye de les stabiliser. Donc faudrait de la couverture. Tira, on est avec vous dans le bâtiment. On fait une couverture extérieure, ok. Possible d'appeler la sécu, il est encore dispo ou pas? Ah, fille, je redemande une PMA au CSP. Ah, fille, ouais. Parce que là, on a des mecs là qui peuvent réanimer. Quel bordel. Ok, à tous de DD, j'ai toujours un véhicule Audi A4 noir, jante rouge aux alentours de Gravia. Hein. Direction Attira. Hein. Je te tiens. Il se passe quoi sur Pierre? Les pitchers sont tombés et ils ont toujours le tâche. C'est cul en approche. Ok à tous, j'ai également une Mercedes noire sur route Attira. Monsieur, on engage? Ah bah oui, affirmatif, moi je tire dessus, hein. À mon avis c'est avec. Hein. Où? Bah vas-y, allume-le dès que tu peux. Ok du coup, j'ai eu leur fréquence, j'en ai compté au moins 3-4 packs encore restant vivant. Ok, donc ça confirme, véhicule CLA noir, Audi noir, et le mec sur le toit de la BA. Test fréquence, je suis pas libre. Reçu. Ah, ils sont où? Dragon pour DD. Transmet. Banque en cours. Ouais, y'a une banque, putain. Et je t'ai mis un point, le véhicule que tu tirais dessus, le pack s'est mis dans la maison de gauche. Pack sans noir, donc je sais pas si... On lâche, quelqu'un a un numéro des mecs en face ou pas? Négatif. Je réponds. Je m'en occupe de leur transmettre. Mais du coup, on se BA ou... Essayez de cesser le feu en attendant, mettez-vous au couvert le temps qu'on balance. Y'a un petit pour Sherman, je crois qu'ils sont là quand même CSP ou pas. Le balle passe ou pas? Ouais, on est là. Attends. Mario, tu veux pas crier au pire? Message envoyé. Ils sont dans le bâtiment en fait là-bas. Parle en fort, casé, et dis y'a une banque, on a une banque, ici, enfin bref, tu vois. On reçoit des shoots, hein, on reçoit des shoots. Ouais. Y'a une banque, quoi. C'est, mais bien. Prends pas de risque au cas où t'as pas de... Tu mets les manards à la tête. J'envoie un message. Non, tire pas. C'est pas moi qui tire. Hein. Ah ok, bon, on se fait tirer dessus, les gars. Tire de côté, grave bien, je crois. Bah, je vois rien. Hop, j'envoie un message. Sherman, t'as leur fric, au pire, tu peux pas leur dire. Ils ont changé. Je vais envoyer un message. Fumé, tu te fais tirer dessus par des mecs en noir, DD? Ouais, un fille. Tu vois le Burger King rouge là? Ouais. Bah, y'en a un qui est à l'intérieur ou à côté, ouais. Ouais, j'en ai aussi un au niveau de la maison là où y'a le véhicule noir. Ah oui, attends. C'est bon, la BH est libre, les gars, vous pouvez venir. C'est bon? Alors, reçu, ouais, c'est des autres bon, packs, hein, c'est des autres, c'est pas la rampage. La fille, du coup, BH libre, on peut rentrer? Ah, si. Allez, on bouge. Ouais, où? Ah, bah, la BH. Il t'avait blessé à la jambe. Oh merde. Sorry gunfight, mort de rire en fait, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, Alex, c'est chiant. Super, bah libérez-le, de toute façon. Ouais, bah lui tire quand même ses équipements avant. Ah les gars. Laissez-lui au pire ses équipements, au pire, on le laisse, de toute façon. Comprends rien.
T'as les mecs qui... t'as la rampage d'un côté, après t'en as un autre qui prend, qui raid la BA. Là, les scorpions, si t'as vu des mecs, j'ai vu des mecs tout noirs vraiment, tu vois. Ouais, c'est la... Ah, agence touriste, je sais pas quoi. C'est compliqué, hein. On a encore des cobras là sur la radio ou pas? Ok. Envoie un message, j'ai dû en revenir. Tenue dopée, hein, donc bac à main, etc. Ah ouais. Du coup, j'ai plus de chargeur. Ah oui, c'est tenue camo, là. On se met. On fait quoi du coup avec les packs en or là? Parce que là, ils sont allongés, ils ont visé sur VR. Je te laisse tranquille, je pense. Merde, nous on est en vert ou on est en sable? On est en quoi? Peu importe, peu importe, pardon, ce que vous voulez. Ouais. Alors, pour que je me fasse engueuler par le major. Allez, hop! Et voilà, coucou c'est moi. What did you... C'est un beau gosse. Tic tac. Il y a des mecs là au repas de gang, je pense à monter avec mon bouclier. C'était derrière la fenêtre, ils font t'inquiète pas, la fenêtre, ils peuvent pas la casser. Boum boum bam bim, hein, de quoi? Avec ma petite mitraillette. Prenez quoi comme armement pour moi? Quoi? Assaut. J'ai un bouclier au pire, donc tu prends une espèce de batteuse ou un truc. 4, 5, 7. 7. Tu risques d'aider? Ouais, arrête. Ouais, arrêtez, ouais. Qui veut un pilote? Moi. Qui veut un pilote? Ouais, bah en soi. Ferme en tête? Ouais, c'est trop facile. Je suis d'accord. Allez, c'est parti, moi. Hop là. Ok Viper, vous maniez le fion là s'il vous plaît. Je refais le plein de pansements, il fait pas. Le mec il vise toujours sur la position où on était Dédé. De quoi? Le mec il vise toujours sur la position où on était. Bah en somme, Mike, s'il n'y a pas moyen au moins de sortir un L4, on va avant quoi? Ouais. On y va comment en hélico hein? Je pense que c'est un peu loin, il reste plus une. On se dépêche s'il vous plaît sur la banque. Oui, bon courage. Ok. Momo, viens ici. Major de Viper de DD. Quoi? Major de DD. Dumas? Ouais. Dudu, vous allez comment vous là-bas sur les banques? En stride, généralement on prend des striders parce qu'on peut pas passer sinon. D'accord, ouais, c'est parti. Est-ce que j'en ai un? Sauf si après s'il y a un mec qui a un huron ou si tu veux parachuter des équipes comme tu le sens. Ah ouais, c'est pas con ça. Si on peut prévoir une unité, on peut prévoir peut-être deux striders et deux unités parachutées. Tira, vous êtes où? Ouais, on va faire ça. Cobra lead de Viper lead. La lead de Dragon 2. Transmet. Lâche la poursuite en une banque. Direction B. Je vais direct sur la banque, non? Hein? Cobra lead de Viper lead. Vous transmettez comment sur place? Moi je pense que je vais sortir un huron qui va se déplacer au sol. Bien reçu, je prends les striders. À tous les Vipers, vous me formez des biomes mais vous me sortez des striders s'il vous plaît. Pour Syrah, on aura une unité en hélicoptère et l'autre on sera au sol. Vous pouvez conduire debout alors que. Tu montes dedans, tu te mets en chef de bord. Ah, mais ça va!
Hop là. Assuré quand même, parce que... Ah, les conneries, je vous connais, hein. Fennec, assuré. Hein, ça me coûte encore du pognon, tout ça. Hop, et récupéré. T'as une trousse? Ah merde. Ah, va chercher une trousse, je vais payer la trousse. Ah oui, c'est RP, Alex. On s'en serait comme en fait. Salut Chamolo, Samogelo, comment ça va? Yankee pour Sherman. Transmet. Vu qu'il y a une unité tirée au sol, on va monter avec vous. Allez, tous les Vipers là, vous maniez les train-train là un petit peu là, s'il vous plaît. Là, on n'est pas là fort, on fait pas nos marchés, on fait pas nos courses, on a une banque à protéger. Allez, c'est parti, sinon pas de salaire. On va changer votre banque dans les slides. Mise à jour carte ou pas? Bah, mettez à jour carte là. Bibi, une fois que t'es prêt, je te laisse monter dans le Huron. Sherman pour Kanamo, tu as un reçu. Sherman pour Kanamo. Dernier coup. Du coup, pour toutes les unités Cobra, montez dans le Huron qui est posé au niveau de l'héliport, d'accord? Montez tout ça à l'intérieur. Allez, Viper, on se dépêche s'il vous plaît là, vous faites le plein de chargeurs. Je vais faire engager de CTA, salle de dragon. Par la banque? Ah si, salle 4. Essaye de faire un petit spot au sol, dans le ski, c'est pas mal. Ah, regarde ma question. Prends formation, si on arrive. Oh là 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 là, on est prêt. Allo Viper. Allez, 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 allez là. On était dans les... Allez, on est dans les zones. Tous les Vipers en Strider. Allez, vous avez 3 Striders, vous mettez tout dedans là. Il y a déjà 3 Striders, les gars, on vous attend à l'extérieur là. Vini, tu viens avec moi en garde épinante. Pas plus de 5 Striders. Je demande à Octavia de faire les tracés des bâtiments sur la carte. Donc là, il y a 4 Striders. Donc la PMA est demandée, sera mis en place en position 112. Allez. De Viper, Viper lead, vous mettez 2 par Strider. N'oubliez pas qu'on doit récupérer les Cobras sur place. Bien le truc arrivé, moi. Répète. Bah, je reprends celui-là, du coup. Je vais avoir du tout mon équipement. Bon coup. Ouais, vas-y, je prends une case. Bon, mais je peux plus. Bon. Faut peut-être commencer à y aller, les Striders. Allez, Striders, en avant. Allez.
Ok, vous mettez une trousse s'il vous plaît dans la. Dans stride. C'est fait, allez, on bouge. Oh! Ça vaut combien ça? Bah ça vaut pas vite en fait. Là je suis à toc, je crois 120. Ouais, 120. Hein. Y'a qui dans la voiture là? MK10. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clear les alentours. On va essayer de clear les alentours déjà. La drogue c'est mal. Ah quand un char de saut pour les banques truc. Ah j'aimerais bien. Faudrait que j'appelle le hacker. Oh putain, je suis mal assis putain. Chaque fois je suis recourbé comme ça. C'est parti. Tu peux aller dans l'eau avec le strider. Je crois. Ouais. Pourquoi? C'est ça, Trix. Exactement. On va s'éclater un peu de temps en temps. Mais on n'a plus le droit de rigoler maintenant. Ça consomme de l'essence cette merde quoi. Bah normalement oui. Bah oui tu peux aller dans l'eau avec ça. Tu peux aller dans l'eau. Bah de toute façon on est obligé d'aller dans l'eau. Donc,
On n'a pas accès à la banque. Sur l'île là et on sécurise rapidement les alentours et go quoi. Qui est le gradé le plus haut là par moi, le général? Ok, ok, t'as la félicitation, tu vas prendre l'opération de la banque. C'est reçu. Parce qu'il y avait 2 km 10 près de là. Bah oui, on peut aller dans l'eau, tu vois. Ouais. Bah c'est ton boulot. Ah oui, c'est long. Hein. Faites attention au NTW. Hein. Personne pour Douglas. Regarde au niveau du château, de la colline. Ils sont là, la sécu. Reçu, on mange. Les Diablos qui commandent dans mon hélico, je me presse. À tous les Vipers, on reste groupés naturellement. On travaille en équipe. Possibilité d'avoir un cercle sur carte. Allez, on sécurise le château pour l'exploitation de Syrah et de. Comment ? Véhicule au niveau du château. Autre gauche. Ok, on a L4 sur le Cadenus. Ensuite le Viper, en lead, on a également un véhicule. On se sépare, on reste pas groupé, on y va en colonne d'assaut, en ligne d'assaut. Pardon. On reste dans les Striders pour l'instant. Charlie, on a un véhicule sur notre gauche, véhicule noir, un L4 également. Ok, on prend des tirs pour les Vipers, on se replie, c'est du lourd. C'est nous. Ah putain. Confirmé, c'est du lourd. Ah. De quoi? Ouais, oui. Attends.
Parce que là, si là tu dis 100, t'es mort, mec. Hein. Les gars. Comment ça se passe pour toi de Cobra? Équipe Canavo, ça se passe bien pour vous? Les Vipers, on sécurise le check 5. Faut que c'est sécurisé, on l'annonce à la radio. Ok, des Vipers, le château est pris. Il est tenu par votre position ou il est pris par les Max? Non, non, il est par notre, par nous. Ouais, bah ouais, bah, détruisez-le. Si vous dites derrière, ça veut rien dire derrière. Affirmatif, je confirme. Ça me dit toujours pas où c'est. Mettez une zone, Scott met une zone sur carte. Zone blanche. Ok, Berro. Ok, le véhicule noir se dirige côté sud. Magique, les gars. On va rester sur le château. On va protéger le château jusqu'à ce que toutes les unités soient là, ok? Ok? De Dragon 2, on peut plus passer au-dessus de la banque, on se prend des tirs de NT. Reçu. De DD, je me place en TE rapidement et je vais essayer de neutre. Bien pris. Donc pour l'autre équipage de Viper, avec nous sur le point Pax. Alors, hé les gars, vous me faites un cover arrière. Vous en avez tout pour la progression au niveau de la tour armée? On est à tiens, pour le tour armée. Juste à toi. Ok, commencez à y aller, parce que la tour armée c'est un point strat. Le Sierra qui vous accompagne, mettez-vous en couverture, si vous avez du 7.62, vous pouvez tirer un peu plus loin. Crevé, une balle dans la tête. Ok, sur la position de Charlie, on a plusieurs packs. Octavia, sur toi, Lansky, il y a l'L4. Il manque que ça soit Syrah. La fille de Syrah s'est pris des shoots. Bah, tu tires dessus pour pas qu'il me shoot en fait. Au-dessus de Dragon 1, on arrive, on reprend le relais sur L4. Ok, à tous de Viper, deux Pax tour armée Est, reçu. Oh, ta merde. Quoi? Ah, je suis tombé en face de vous en fait. Ah, ça vous a pas gêné apparemment, mais. Non, mais couchez-vous les gars. Ok, de Syrah TE, on se fait courser par un L4. Reçu. On est là, on est là. Mettez lui des coups de TE, les gars, n'hésitez pas. Vas-y, remarque-nous, Strider. On s'est fait toucher, on a Zanet. Saute. Qu'est-ce que c'était? Je m'en occupe, je m'en occupe. Regardez en l'air, on a deux points. Il s'est mis de place, ce sniper, faites gaffe, les gars. On s'est pas des plus de tour armé. Ouais, des tours armés, je confirme, 2 TE, hein. Yep. Il est bougé de sortie. De Cobra 2 sur check 2, on a du coup deux collègues groupés à haute bâtard. Quoi? Où? Je sais pas quoi. On s'est pas fait toucher, on a pris le recul du NTW. Combien de mètres? Ah, combien de mètres?
Doc, on essaye de venir sur votre position pour vous couper. 1246 ? Attends, je me mets à côté. Azimut 46. Ouais, il me faut la taille. Fais gaffe au vent, hein, je te dis pas. Hein. C'est la bouche. Il bouge, le mec. Je sais pas si tu l'as en visuel. Ouais, j'ai vu, ouais. Dès qu'il s'arrête, tu me donnes la distance. Okay. Exact, maintenant. 1157. Il est abattu. Okay, bien joué. De Cobra 2, de Cobra 2, vas-y, du coup, la progression de. Check 5 jusqu'à la banque est-elle possible? Ok, de Viper Lead, j'ai visu sur la banque. Hein. Allez, bouge pas toi et je t'éclate. Bouge pas et je t'éclate. Bouge pas et je t'éclate. Bouge pas et je t'éclate. Cobra 2, la progression de check 5 jusqu'à la banque est-elle possible? Un fil check 5 sur notre contrôle actuellement. Attends, ça bouge pas. Mais il faut enlever d'abord maintenant. Presque. Sur position Charlie, on a probablement un Pax qui est réfugié dans Tour Armée. On aurait besoin d'une unité en soutien. Et non, on s'est confirmé. Viper Lead de DD. Plusieurs véhicules abandonnés au niveau de la Tour Armée de Charlie. Et on a un Pax qui a disparu à pied au niveau de cette tour. Donc il y a forcément plusieurs individus. Je confirme, au niveau de la Tour Armée, deux Pax. Un plongeur et un kaki sombre fourré. Avec eau noire. Est-ce que parmi les Striders, il y en a un qui aurait 3 places disponibles pour me déposer à la tour, moi et mon unité? Affi. Du coup, pour s'orienter, c'est plutôt j'ai le boubou, vous mettrez derrière moi, on va se. Bye bye. Oh putain, il a eu du cul lui. Les Sierra et Cruz en avance pendant qu'ils assurent la tour, ils sont pas concentrés sur nous. Viper pour Cédric, tu reçois? Affi, transmet. On va essayer de prendre la tour, est-ce que tu peux nous protéger depuis l'extérieur? Affirmatif, je... Vas-y. Ok, reçu, on va... Putain, couvert, c'est reste en plein milieu. 882 mètres, azimut 38. Voilà, voilà, attends. Oh merde, oh putain. Allez, cassez-vous les gars. Cobra lancé pour assaut sur tour. Non. Info, le mec il bouge toujours pas, dernier bâtiment, plus loin. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on est en train de se faire shooter dessus là. Ouais, d'ici, ouais. Ils nous voient pas, là où je suis. Ils venaient d'où les tirs là? Côté tour armée. D'ici on sait pas shooter, c'est de là où je suis. Vous êtes derrière? La fille. Ah du coup Dédé il bouge toujours pas le type hein. Ok, attends bouge pas. Attention, tour armée, il est deuxième étage. Il vous attend en haut, derrière la palissade, au niveau des escaliers. Le mec qui tire, dans la banque, c'est lui là, celui que t'entends. Ah putain. Attention, Viper, c'est pour vous. Ok, donc comme. Ok, reçu, c'est bon, tour clean pour vous. Pour Sherman. Couche-toi. Essaye de prendre ton sniper, mais dans un coin, on va venir chercher les snipers. 882 mètres. Doucement. 882, dernier bâtiment de la banque. Dernier bâtiment de la banque. C'est une tête. Non, je vois rien. Attends. Dernier bâtiment le plus haut. Attends. Ok, centré, hein, pour info. Attends. Y'a pas de balle, Diabo, dans son M320. Putain, je vois rien. 882 mètres. Voilà, ouais. 82 mètres, dernier bâtiment. Vas-y, mute. Ok, on t'attend dans le trésor. J'arrive. 884 mètres. Ok, oui. Diablo pour Charmin. Transmet. Putain, tu vas me le mettre ton bipied là? Une arme dans ta tour ou pas? Ouais, il est en train de plonger. Ouais, c'est bon, je t'entends pas. Est-ce que vous pouvez nous garder les armes des packs? On en a plus. Oh putain. Là. Ouais, fille, on va te mettre ça au sol, venez. Bon, si on arrive. 882 mètres, ok, vu. Oh non. Dommage. Ouais, j'ai pas de bipied, putain, ça bouge. C'est pas grave. Il va revenir, t'inquiète pas. Garde un visu, hein. Je vais essayer de checker un visu. Y'a vraiment à nous déposer quelque part dans la forêt, les gars, ou pas? Ça va être chaud. Prends le. Comment ça sera à progresser là aussi? Ouais, bah ce que tu vas faire, c'est que tu y en a un qui va me chercher les munitions de 1267. Y'a des forêts, on a peut-être pas tout vu.
De M300. Ouais. De Charlie, on et nous on va rester là en appui. Qui est à proximité de la banque. C'est pas à côté de la banque, vous allez prendre des coups de VNT. Ok, bien pris. Ok, pour information, le point PAX n'est plus d'actualité, j'efface neutralisé. Oh! Oh oh oh! On est sur l'est de l'auto, on va monter de nord-est de l'auto pour prendre position sur l'est de la banque. C'est reçu, allez-y, faites le tracé un peu jaune là qu'il y a. C'est ça. Veillez pour l'aider. Merde, transmet. Tu confirmes que le point PAX est inactif? Affirmatif, je l'ai neutralisé. C'est bien pris. Ah, du coup, il y a tes munitions, je les ai posées là où t'étais. Ah! J'étais où? Ah, ici, là. Ils sont là, là où je marche. Ouais, ok. Mais là, c'est que là, je vais me prendre une tête. À ce moment-là. Oh, il plongeait sur mon trou. Ouais, mais il y a un autre PAX quelque part, faut le trouver. Deux cercles blancs. C'est la zone quoi, des tirs. Okay. Allez-y, progressez les gars. Essayez de progresser, on va essayer de vous couvrir. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Attends, je vais prendre mon... Les balles, t'as des balles dedans. De Dimmer, ça va investir la banque, vous avez nettoyé la forêt qui est autour, il y a un PAX au moins, un PAX mobile là-dedans là. Essaye de prendre mes chargeurs. Entre vous et nous. Je vais essayer de prendre tes chargeurs. Ouais, essaye. Entre la banque et tour armée, c'est celui qui s'enfuit tout à l'heure. Bon, fou, les gars, c'est essayer de. De Charlie, on va aller fouiller dans ce zone. Bon, les gars. Faut... Utilisez votre thermique avec les striders, mais bon, c'est la forêt, c'est un peu compliqué. Pas grave. Cobrado, on va commencer à progresser vers la banque en strider. On vous a fermé les portes en dessous, donc si vous entendez ouvert, c'est pas nous. Hein. Bien pris. Et suivez-moi, comment on va passer par la forêt, apparemment il y a un PAX qui se loge là-bas. Ah, reçu. Vous allez vers la banque ou vous restez ici? On reste là pour l'instant, parce que de toute façon il y a des QLB. Check à sûr pack, hein, pas des packs. Checkez tout autour, les gars. J'ai mal, bordel. Pas facile la banque. Écoute. Une position à proxy du mec qui rôde dans la forêt, au niveau du château. Non, aucune idée, il était au nord de la tour armée, puis il était reparti vers la banque, il doit pas être très loin pour que ses collègues puissent se couvrir, à mon avis. Hein? C'était bien pris, nous, notre équipe, on va essayer d'aller dans la forêt. Oh putain, j'entends rien. Il était caché dans un buisson, on a roulé. On est reparti. Je disais, il y avait un point, il y a un PAX autour de nous, je te cover. Bah, bien joué, je vais te dépouler. À tout petit peu. Les gars, vous avez un visu sur les collines derrière? Oh, on est reparti, excellente journée, il fait beau, 28 degrés sur Altis. Du coup, on peut se rapprocher de la banque? Vas-y, avance encore. C'est hors cam du coup. C'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. Ok, sur position au cas, on a perdu le chauffeur de notre strider. Il est mort ou il est parti? Il est coma, minimum. Ouais, vous avez dit. Vous l'avez terminé le pack sur qui vous avez roulé? De Dumas pour Okaï, tu nous rejoins sur BMA avec ton gars si tu peux ou tu n'es affirmatif, on échaille en ce moment. C'est bon, on repart. Cobrada, partez en support là, toyez la forêt au cas où là. Restez dans la forêt. Hein. Au sud de Cobrada, on va suivre le très bien. Vas-y, laisse-moi conduire. Donc, ouais, de Doc
Tiens, le Pax s'est réveillé, nous l'extrayons, il est menotté sur la PMA. Donc de Hawkeye, on s'extrait vers la PMA active. C'est reçu. Hey, t'es Sherman, on ouvre les yeux, là on est dans de la forêt, soyez vigilants. Un canot pour croiser les salles, on check les forêts qui sont sur notre gauche et on chope des infos sur la banque aussi. Ouais, c'est bien. Bien pris. De Doc pour Hawkeye, si tu veux, j'ai traité mon Pax dans mon véhicule, je peux récupérer ton collègue. Non, c'est bon, t'inquiète, on va avec toi à la PMA, on garde les binômes constitués tant que je peux le sauver. Un reçu, il est comment? Uniquement à la tête, il a pris une petite balle de calage, je crois, pas grand chose. Voilà. Sa chevelure l'a protégé. Ok. 800 mètres. Ok, à tout, j'ai un Pax dans repère de gang. Hein. Deuxième étage. Côté sud. Je mets un point carte. C'est bien pris. Point mi-carte. À l'étage, à quelle fenêtre t'as l'information d'aider? Fenêtre droite, côté sud, deuxième étage. Et bordel, je cite pas grand chose. Je cite pas grand chose, bon de rien. C'est qui nous tire dessus? De Cobra 2, la forêt dans nos alentours est clean. Reçu. J'attends le top de Cobra Lead pour pouvoir y aller. Pour le moment on a rien, on est à 200 mètres d'objectif. Reçu à tous les Vipers, sauf moi et mon contre-tireur, allez-y soutenir Cobra aux alentours de banque. On est ready, Cobra 3. Sierra, vous me recevez? C'est bon pour Kanamo, on est prêt à aller. Sierra, vous me recevez? Cobra, on approche avec le Strider. Reçu. Mission pour vous, sécuriser la PMA et ATE. On avance, Cruz, sur le tunnel en face de nous, Langa. Affi, on va aller voir ça. De Sierra. Merci Sierra. Sierra, maintenant je peux essayer de lui. Ouais. Non, il est juste derrière toi. Une petite cabane, je sais pas si c'est correct qu'ils ont fouillé. Ça. 1054, ok, donc de Cobra 2, on est en position, on vous attend pour savoir si on rentre avec le Strider ou si on y va bien. Besoin de Strider sur Pepito. Ouais, bah regarde-le en visée. Besoin d'extraction, j'ai un test qui est couché actuellement.
On arrive. Dessus, doc, on arrive. Tu sais d'où ça vient, Sherman? Ouais, repère de gants, on a avancé traité. Confirme, Pax sable. Mec, Pax noir. Ok, il reste un Pax sable. Hein. C'est embarqué. Pépito, tu reviens de ma position. Ma fille. Oh, si je prends le bouclier, on va rentrer dans la maison quand même de moi. Oh. Un peu le bac pour l'instant. Ouais, vas-y. Ouais. J'arrive. Le Cobra 3, on progresse. RS. C'est chiant hein, quand tu mets sur le de pas accéder. Hein. Pour l'instant, il y a un peu grand monde. Ah, mais gardons ça. Un gros 4, pas un bâtiment, gros 4. Gros 2. Puissance 60. Check un peu vers les MK10 parce que je pense 60. Qu'ils vont essayer de faire une protection vers les MK10. Ouais. 160, ok. Oh, mais fait chier ça me casse les couilles ça. Bah, allez, on va descendre du rocher. On va aller là-bas. Allez, où exactement là-bas? Là, au rocher, ouais. Cobra 2 pour Doc Viper. Oh, j'ai pris une balle. Pas tous, on a poussé leur bateau. Ok, ouais, ils ont poussé leur bateau pour pas qu'ils prennent le bateau, ils pourront pas les prendre. Ok. Trop lourd, putain. De Cobra 3, on est devant la porte, on a dans les autres unités pour opérer. Le déchargeur, tu me dis. Ah, tous, ils ont plus de MK. 10. C'est bien pris. Ouais, on peut pas rentrer dedans. Une T-Cruise, c'est bon pour vous? Négatif, on a utilisé les shoots d'un bâtiment, on va essayer de traiter le Pax. Diablo, tu me ressors. T'as plus de GPS. Ok, là j'ai un parfait vise. Il a pris une tête, celui-là pas con. Tête en 70. Sherman, on est de l'autre côté. C'est reçu. Cruz, estimation, vous pouvez vous en sortir ou pas? Si on vous en sort. Ok, on patiente l'équipe d'odeur et puis on va y aller. Sherman pour Johnson et Diablo, vous êtes nos yeux, vous avez la face avant de la banque, donc couvrez-nous. Merde, j'ai dit quoi maintenant? 870 ou 770, je sais plus. Ok, l'équipe de Kanamo en avant. Ok, Sherman, je garde la vue. Il y a un Pax qui nous regarde du bâtiment au fond. Ça va, Cruz? Attendez. Juste Dimmers, est-ce que c'est clair les toits? Johnson, il y en a dans le tour. Sherman, t'es tiré entre deux, vous voulez qu'on essaye de faire mais... bouger le camion pour passer? Oh, la tour armée, il y a un mec sur lui. Sherman, il y a un... Vas-y, demande les mettre. Enfin, vas-y. Gros 2, c'est ça? Oui, à distance. Distance? On en s'en occupe. 1140? 1050. Récupérez par Pax, attention, mettez-vous à couvert. 1050. Ah, c'est bon, j'ai vu. C'est en cours, actuellement, il y a Johansson et Diablo dedans, donc c'est bon. Ok. Information urgente de Viper. Sniper niveau tour armé derrière vous. Ça a déjà été dit, merci. Ok, d'accord. Premier étage. Faut qu'on bouge. Vous êtes ready lancez fumigène. De Cruz, le Pax gros bâtiment 2 dans la banque est achevé. C'est bien pris. Ouais, Sierra Cruz en avance. Deux vivants. J'ai pris des choux, je sais pas. 50 mètres. Ok, fumigène en place, on peut y aller quand tu veux, Charles. Je
je me fais shoot, mais je vois pas d'où. Dès qu'on rentre. Faut qu'on rentre. Estrada, donne-nous la position du mec. Je peux le spec. T'es sûr que c'est 1500... Ah, 1050 mètres. Hein. 1050, ouais. Ah, j'ai mal au cul, hein. Putain, j'ai mal assis. Hein. Ouais. On est surtout armé, on va se vestir. Bâtiment blanc, sur la droite, escalier. Dernière info pour toi, armé de premier étage. Pépito, tu me suis? Mets des travers avec l'UNT, tu vois. Je suis plus avec le. Pépito, tu me suis? Chaman pour Pépito. Dédé, ouais. Le mec aux escaliers. Ouais, j'ai ouais. Ok. Et, tu vois la droite des escaliers. Ouais. Distance cette vitre que t'as bouclier, un premier, grosse. Okay. Distance 788 mètres. Je l'ai pas. Il est couché là? Ouais, il est couché. Il est. Ouais, là tu le vois? Ok, vu. Il attend. Ouais, bouge pas. Il panique. Pépito et Coma, Shaman ou pas? De Johnson, un pack dans le bâtiment gros 2. J'arrive. Faut l'extraire. Ah, puis le pack dans le bâtiment gros 2. Je retenais un mec gros 1. C'est ce qui est de Shaman. Ouais, allez, écoute. Tu peux t'affilier à moi? Parce que du coup, j'ai Pépito qui est. Ah, putain. Ça tire tous les gars. J'ai Vinny qui est à terre. Les gars, très mauvaise position. Ça va, ça va. J'ai par le bac. Pour les unités dans la banque, je vous ai mis un point Pax, dernier bâtiment. Pax rouge. Plongeur. C'est pas le repérant, c'était le gros. Les mecs, on peut passer par derrière là. On peut passer sous le camion, les gars, ici. Sherman, ça va? Ouais, c'est bon. T'as mis bon, il me faut un binôme parce que je suis. Le bâtiment part de gang, Dédé. Comme je vous dis tout à l'heure. Ah merde, bah vas-y, modifie-le. Vous essayez de passer, mais bon, ça passe sous sa casse. Le point, il y a, là, je pense pas qu'ils vont s'attendre. On peut vraiment passer sous un camion, on peut les prendre peut-être par le. Par derrière là. Les gars, attention devant la porte là, on a le point repère 1. Il y a un pack dedans, enfin repère 2, il y a un pack s'ils ont visu en plein sur nous. Pourquoi j'ai pas vu? Et ça fait combien de temps que Lucky est placé ce. Il était placé par Dédé, il me semble, au début. Ouais, dernier bâtiment, dernier grand bâtiment. Dédé, le point repère 2 là, bâtiment repère 2. Tu peux nous dire s'il y a quelque chose dedans ou pas? Ah, fille, il y a plongeur. Qui tire? C'est au fusil à pompe. Hein. Il me faut une unité avec moi pour qu'on se fasse le repère 2 là. On avance. Besoin d'extraction sur Pépito là, personne qui peut extraire? De Doc, on arrive sur place. Pour info, la PMA change sur la deuxième zone. Moi, les gars, j'ai Vinny qui est comment en plein milieu de la banque. Du coup, tout à l'heure. Ouais, c'était dur. On l'a pas eu. Scott, tu t'occupes de Pépito, d'accord? Les autres, vous reprenez votre position, on va y aller. D'accord, on s'arrête. Pour Sherman, on va pas pouvoir rentrer, il y a un type qui a droit à visu sur l'entrée. Première. Je vais mettre point sur carte. On a encore un véhicule ou pas? Quoi? On a encore un véhicule ou pas? Oh non, on a pas de véhicule là, il aucune info sur un. Ok. Shaman, pour l'aider, t'as une position à peu près du plongeur dans le bâtiment repère. Ok, bah, il est sorti du bâtiment, il est niveau repère de gang, entrée droite de la banque. Odeur, ça va? Moi, ça va, mais je suis pas ouf. Dors, mets-toi couvert, y'a un Pax qui te vise. Un Pax abattu, les gars, côté droite. Bien reçu. Checker un peu le bac, hein. Pour pas qu'il y ait. Donc, ils sont rentrés dans les clean ou pas? Dumas, tu peux avancer, c'est clean jusqu'à la position. Merde, putain, qu'est-ce que je fais, moi? Désolé. Il faut extraire un collègue là, Dumas. On arrive de Doc, on arrive rapide. Sherman, ça va? Ouais, c'est bon. C'est quoi ces tirs à gauche là?
partie à une entrée. Je pense que le mec gros. De dos qu'on arrive dans moins d'un kilomètre. Bouger en bas. J'aurais bien besoin d'un binôme là, parce que le mien il est à terre et je peux rien faire. Tu m'as. Translate. Vous pouvez pas venir là sur Pépiteur. On est en route. Sherman, tu es toujours en vie? Toujours, toujours. Un pack straighté en. Ok, donc gros, si tu vas avec Sherman, je vais avec. T'es bien mon petit liste. C'est le premier prix. Attends, Bédic, t'as un bouclier ou pas? Cruz, tu me reçois? Putain, je suis passé sous un camion, j'arrive pas à repasser de l'autre côté. De Doc, on est ici, vous pouvez charger les blés. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Il y a presque une mise en visu de là-haut en fait. On va remonter là-haut. Hein. J'ai pas de visu d'ici. Baby, viens sur moi. Je suis avec toi, Sherman. Vas-y, dis-moi, tape mon épaule quand t'es là. De Cobra 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décaler le camion et on va rentrer avec les Striders en marche arrière pour couvrir les unités. Alpha, on vous couvre sur l'entrée. Oh. Cruz, t'as reçu ta tarjon bélique? Ah, ça va. On va rentrer dans un bâtiment, on repart des gangs. Je prends des Red Bull, Sherman, j'en ai. Putain, j'ai pas de visu là. Avec Anamoko. Ah, monte. Tu veux pas monter? Non plus. Ici? Ah, ici, j'ai peut-être un visu. Ah, là, j'ai un visu. Tira, on va prendre un des Striders, on va pousser le camion aussi. La fille, mais on a le général et le colonel à côté là. Ouais, on prend des tirs depuis l'intérieur de la banque là. 900. Ah, si, ça va, normalement il reste plus. Stop shoot, j'ai l'impression que vous l'avez vu dès la première. Ah, t'as Dimmers, Pax potentiellement battu là dans l'intérieur de la banque, il y a sur le gros bâtiment avec le coffre. Information dans la radio, j'ai entendu qu'ils étaient plus que deux et qu'ils allaient prendre la fuite. Ils sont assez loin. Il y avait un sniper sur la PMA. L'ancienne PMA. C'est peut-être eux qui parlent, ouais. En tout cas, dans la banque, il en restait plus qu'un et puis si vous l'avez traité, donc aussi, c'est ADD. Bon. T'es pas sûr, attention, il aurait pris qu'une seule balle, il a été fauté. De quoi? T'as su ce qu'il a dit? Ouais. Au loin. À mon avis, c'est derrière nous, quelque part. Hein. Par moi, la PM1 t'es là, s'est fait tirer dessus, donc peut-être côté nord-ouest. Hein. Ouais, peut-être. Derrière nous, quelque part. Hein. Rapprochez-vous de moi, je vous réparer. Bah oui, il doit quelque part par là. Bibi monte dans le strike. Attendez, je me souviens. Kevin, on n'a pas le temps de réparer, dégage de là, prends ton shield, on y va. Yep, vous pouvez tenter ou vous attendez qu'on soigne et on rentre avec le Strider en marche arrière. On peut rentrer aussi avec le Strider si vous voulez. Dans le repère de gang, je crois qu'on a perdu les deux collègues là. T'es dans le repère de gang. Non, ok. Allez, go avec le Strider là. On va rentrer en marche arrière. Par contre, on n'a pas fouillé le haut du repère. Attention, je vois pas grand chose à marche arrière. J'ai une pour Cédric, toujours vivant. Un fil.
On va jusqu'au fond. Attendez, attendez. Faut-nous pour nous décaler sur le bâtiment à gauche. Là, je vois sec. Ah, c'est extra normalement. Ouais. Ah, au moins. Et le valet, effectivement, au moins les cordes, quoi. Ouais, merci, merci, mon petit. Mon petit, merci. Ok, c'est bon. Bon, bah écoute, nous, elle est pas mal, hein. Il était charmant, évidemment, on va progresser dans un bâtiment banque à l'extérieur, un peu annexé. Jensen et Diablo, sur vous, c'est toujours good. Crozet Bellic, on a clean un bâtiment banque, là, celui de droite. Sur le toit, vous voyez personne, Diable ? Next, c'est clean. Spider 2, on va reculer jusqu'à à l'entrée de la banque. reçu, je vais avec vous. Pour information, quand vous êtes sur un bâtiment qui est fait sur carte, vous donnez un coup de crayon quand c'est clean, ok ? Vous le barrez. Oh, j'ai du mal, con. On va clean de Spider, hein. J'ai du mal, les gars. Bon, vous êtes tous ok là sur le. Je vous sens très calme ce soir, les gars, sur le chat. Vous êtes calme. Il y en a qu'un ou deux qui parlent là. Les autres, vous êtes sages, vous êtes en train de farmer, vous êtes en train de faire de l'or dans les entreprises. Ils ont fouillé tous les bâtiments où on a un visu. Ouais. Doc, avez-vous besoin d'une extraction sur Z? On va rentrer dans la salle des coffres. Salle des coffres clean. Il y a un pack dans votre bâtiment, faites gaffe. Et il a fermeture du coffre. Information, Dumer. Il est à l'étage derrière les panneaux de bois là. Pourquoi je fais le tour du bâtiment depuis l'extérieur. Bon, nous on s'est fait un peu chier quand même. Hein. Info s'il vous plaît. Dans le coffre. Non, c'est au-dessus, c'est au-dessus du coffre. Normalement il reste rien. Ouais. Négatif dans le coffre. Ah oui, dans le coffre. J'arrive comme vous. Vous n'avez pas clean le coffre? Tous les jeudis, ouais, c'est la promo des flics, quoi. En fait, il y a les grades. Jeudi 21 pour moi, en fait, à la BK. Ouais. Jeudi 21, les gars. Oh, yeah. Comment. C'est la promotion, en fait, pour la police tous les jeudis soirs et oui, les recrutements des jeunes. Promotion des anciens et entrée des nouveaux. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, GG, je me suis fait rec. Ah, t'étais dessus, Azo. Diablo, pour rien, tu me reçois? Affirmatif. Viens me chercher sur ma position. Je t'active ma valise. Moi aussi. Ouais, c'est un 20h30, c'est bon. Normal, 20h, quand je dis 20h, c'est 20h30. Hein. T'inquiète, hein, on n'est pas stupide, on sait qu'il y a de la route pour ça. Bah là, on va bouger, ouais. Je sais pas où on va aller, mais... Ouais, on va bouger, ouais. À tous, besoin d'extraction sur château, s'il vous plaît, aucun véhicule à dispo pour moi. Médecin, vous êtes là? Bélix, je prends le trader et j'arrive. Attends, Bibi, de doc, on vient vous extraire au château. Reçu. Non, de doc, urgent, besoin d'extraction sur la banque, on a Dan Scott qui est coma. Ok, de doc, nous, on vient vous extraire, bébé. Reçu, on va. Priorité aux blessés, les gars. Ah, si moi j'arrive vers vous, Reçu. On peut essayer de te poser près de nous, Aurélien. On a des snipers à mettre dans l'hélico. Info shoot. Sur Michael Diablo, non, c'est pas ça. Non, Nick. Elles sont déjà dans la banque devant l'entrée. Quelqu'un qui est coma là? Après reçu. Eden? Rider? Je crois qu'on s'est fait shoot au TE.
Ouais, mais puis le parachute ? Merde. Dédé, t'es où ? En hélico. Ah ok, d'accord, t'es juste. Oula, je vais vomir. Mais je vais aller à la salle avant. Oh, genre. Je crois que je suis le premier que t'as buté à l'est. Au niveau des rochers, Azo, c'est ça? C'est toi qui courais dans la pampa? Il reste encore deux places dans le strider. Go, go, go. Général, dis merci pour les montées. Kilo mon strider. Yep, c'est ça. Bah ouais, c'est. T'es le deuxième que j'ai tué en fait. Deuxième, premier, ouais, non, premier, je crois. Il nous reste une place là, ça va faire devant la montre. De dragon, vous pouvez aller jeter un œil au niveau de la PMA, apparemment il y a un rebelle qui est spawn. De Cirateo, on va s'en occuper, j'ai remis une. Il y a eu le Pax là ? Diego, comment ça va? Enfin, salut Juan. Juan, Diego, Tanou, on sait pas trop quoi. Yep, c'est ça, je sais pas d'où c'est tiré. Tu étais sur l'axe douane? Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai été sur l'action douane. Pourquoi? Oh! Info sur la thermique? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on est mardi aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Alpha, vous savez ? C'est comme ça que tu peux retourner sur le... Non, pour Dios. Il faudrait que vous reteniez
Il y a école. Les mecs, ils ont cours. Ils sont fatigués. Fatigués du week-end. Tu vas y arriver ou? Ah ça aussi ouais. J'ai fortement. Ah oui c'est vrai que c'est férié demain, merde. Exact. Oula. Je reviens les gars. Tu vas y arriver ou comment ça se passe? Je sais pas, il est ici. Douglas, le mec qui vient pour Fox. Il est derrière les moyens de foule. Tu vas y arriver ou? Vas-y, Douglas. C'est l'on pivote, hein. Moi j'ai un sniper aussi, hein. Il est où? Son point Pax? Oh, j'entends rien. J'entends rien. Et le loin le plus éloigné. C'est quoi que vous voulez? Ah ok ouais d'accord. C'est bon je l'ai. Ouais il est passé en contrebas. Ouais. C'est qui était au snipe là? Nick. Félicitations pour vous en tout cas, c'était cool, on a commandé pendant 30 minutes, c'est super finalement. Personne, donc ça veut dire quoi, bon allez, vas-y, passe, j'ai une batteuse. Tu me dis quand c'est bon? Ça t'est? Faut que tu penches à gauche. J'ai pas de visu. Pas de visu dans les buissons, t'es trop près. Voilà, là c'est bon. Normalement. Tu me dis quand c'est safe? Ça t'est? Il est quoi? Il est sur stride? J'ai vu. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Mort. Allez, on se casse. Oh, ça, c'est du shoot, les gars. Pas que ça a battu. Ah bah là, il s'est pris un one shot. Là, il s'est pris un one shot. Hein.
Transmet. Il est où le Pax? Pourquoi je suis couché là? Mais non, on a rien fait du tout, gars. Peut-être n'importe quoi. Oh, celui-là il vaut le clip, hein. Oh la vache. Sherman, tu me ressens? Je pense confirme que c'est terminal pour lui. La blanque est clean, mais apparemment il reste encore un ou à deux packs à l'extérieur. Désolé pour pour lui. J'ai le 4 qui est en l'air, donc je peux quitter. Ouais, c'est fort. Sur Cruz, par là. Ok, vu. C'est signé, tu viens de tirer. Ouais, j'ai dans les buissons, je crois. Y'a des maisons aussi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas dedans? Non, ouais, je vois pas. Faut que tu pivotes un peu à gauche. T'as deux maisons là à côté des. Joli, c'est bon, top. On était à côté du bateau, le plus à gauche, et on a pris des rafales qui ont touché l'eau et qui étaient tout droite en direction des bush. Hein, donc. Et forcément, bon, cette. On va le mettre. Attends, je regarde 400 mètres, ok, c'est bon. Parce que nous là, on a fait tous les bush, on a foutu comme des malades et il est pas dedans. Ouais, ouais, c'est bon. Au pire, je prends. Non, ouais, t'inquiète, là, on est bien. Là, là j'ai un visu sur la totalité. Sierra. Vous savez faire des check thermiques? Oui, je peux faire un check thermique. On va effectuer. Je vais te tourner, alors. Ouais, vas-y. Toi, je pensais pas l'avoir celui-là. Whisky, titanium. Résistez à toutes les fougères qui sont tout du long là, qui est de la plage jusqu'aux maisons. Je suis en check thermique, je vois rien, les fougères. Normal, c'est normal. Rose. Ah, écoute, je vais monter avec vous, on va se faire une petite maison là. Il est dans quoi? Combien de mètres? Vas-y, go go go, on est là. Ouais, c'est bon. Il est avec quelle arme? Silencieux, ça correspond à MK10. Il est embarqué, on extrait PMA. Ça correspond en plus au shoot que j'ai eu, donc c'est bon, c'est début de dernier. Ah bah voilà. C'est une exhibit batteuse? Ah, c'est pareil pour nous. PMA toujours active? Affirmatif, affirmatif. On fonce. On est de CPA, on retrouve PA là pour prévisionner le véhicule. Du coup, nous de Dragon 2, on a deux packs avec nous, on attend une unité qui devrait bien s'en charger. La direction. Ah, le pack c'est en vie. Le pack c'est en vie. Information sur vos deux packs? On a un Pax en vie qui a été menotté et qu'on a interpellé. Ah, bien reçu, bien joué les gars. Et deux Pax de l'hélico qui sont posés, on les a chopés. Ok, bien reçu, donc on confirme que c'est clear partout. On crochète le véhicule. Affirmatif. Jérémy Gambino. Ah. Étonnant. GG à eux. Bon bah GG, ça me fait plaisir qu'une petite famille, des petits rebelles, parce que voilà, ils font pas de bruit, mais ils osent faire des banques. Et ça j'apprécie beaucoup. Des fois on n'a pas besoin d'être une grande famille pour oser faire des choses. Et ça j'apprécie énormément. GG les gars. C'est en faisant qu'on apprend. Le dernier personnage récupéré est dans Strider Cruise, il est vivant et en pleine santé. Reçu car la PMA sur laquelle vous dirigez est inactive. C'est reçu, mais il est vivant, on se dirige pas, on va sortir actuellement, on va sortir. Sherman,
GG à vous tous. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant que l'on devient. Je sais pas, Vailleron. C'est en faisant qu'on devient. Voilà. Un dragon. Alors, Gambino, je crois que c'est. Kanamo, on extrait le pack SPA pour le traiter. Poète un jour, poète toujours. Si je descends, on rappelle là, on va mourir. Ah merde. Je voulais essayer en fait. Sherman, c'est bon pour le héros. Ok, unité Viper, vous venez me récupérer au niveau du mur de la banque. Enfin, à l'extérieur hein, de l'île. Est-ce qu'il y a un présent qui est pas plein là qui va rentrer dans l'eau, s'il vous plaît? Ouais, si tu veux. Remets ton GPS, J'ai mon GPS. Oh merde! Moi, il faut que je continue à faire des rappels pour éviter de tomber en fait. Les grands hommes font ce que les petits admirent. C'est beau les gars. Donc demain soir, entraînement, rappel en hélicoptère. Bien faire rappel safe et pas éjecter. Hein. Voilà. C'est sympa. Tu en bas ? Ah bah oui, en bas. Vas-y en bas. Fifi. Dans le bon, hein. Bon. Donc voilà les petits loulous, bah, tiens, je vais m'occuper de vous tiens sur la chaîne un petit peu parce que c'est vrai qu'avec l'action de la banque j'ai pas trop parlé avec vous. Personne en clip. Whisky, tu t'ennuies de Dédé? Oui bah oui bah oui, qu'est-ce que je m'en doute moi aussi. Il y a moins de conneries de fête du coup. Rêve, je suis le berger. Ouais bah je veux même pas savoir ce que vous étiez en train de dire. C'est en faisant qu'on en devient un chien. Tu veux être plus poète hein, je rigole. Non, bah, derrière, c'est un forgeron que l'on devient forgeron. Ah bah merde, les deux grands hommes font des petits. Bah, GG, bah écoute, j'espère que vrai. J'ai la flemme de clip. Eh bah, clip pas. J'ai peur d'être pris dans la police. Non, t'es viré. T'es pas encore dedans que je te vire déjà, tu vois. Biscuit, tu t'ennuies peu d'ailleurs. Voilà, bah, vous écoutez, vous avez pas dit. Vous avez pas dit grand chose en fait. Vous êtes timide ce soir, c'est pour ça. Oh, très joli. Ouch, GG. Ah oui, effectivement, on me tire de snipe. Ouais, merci, merci, merci. Ben, j'ai eu du cul, hein. Je vous rassure, c'était de la chatte. Hein. Enfin, la chatte, de la chance. Parce qu'on dit pas de gros mots sur ma chaîne. Sinon, je suis obligé de mettre contenu pour adultes. Normalement, je devrais déjà le mettre. Wally, Wally, Wallou. Picou, putain Picou, j'ai oublié de te remercier pour ton follow, mon petit Picou. Merci Picou, le pack. Merci de ton follow et bienvenue dans la famille. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que tu as ratés. Et surtout sur Discord pour tout à l'heure, si vous souhaitez me rejoindre sur un Rainbow Six. La charte à qui? Je sais pas. Je vais mourir, les gars. Merci, mon petit Steam Junior 1234. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Bienvenue dans la famille. Comme le reste, je t'invite sur mon Discord à nous rejoindre pour jouer en communauté et sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays qui t'ont plu au petit déjeuner. Merci à toi et bisous, mon loulou. Bienvenue dans la famille. N'hésitez pas à follow tous ceux qui n'ont pas follow. Vous allez rigoler. Ça va être plein, 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 plein d'histoires rigolotes. Plein de conneries, plein d'humour, plein de sérieux. Et plein de boops. Ouais.
presque déjà 300 follow, et ouais, bientôt 300 followers, effectivement. Magique, 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 magique. Vous êtes magique. On va les atteindre, les 300 followers. Plus on sera nombreux, plus vite on remplit les règles, et plus vite on aura de... Et plus de contenu on aura. Déjà ça. Parce qu'en fait, les contenus, c'est pour vous, surtout. Humour douteux, mais les boops, oui. Vive les boops. Les boops, j'aime les boops. Est-ce que vous aimez les boops? J'étais un RCP et on les a perdus en route. Ça casse pas là. Fais-toi. Plus on est de cons, plus on rit. Exactement. Et je peux dire qu'on est déjà 273 comiques en tout genre. Donc pourquoi pas 300? Je vais peut-être appeler ma chaîne. Connard TV ou les plus cons de Twitch ou un truc comme ça peut être sympa. Je les stabilise en extrait PM. Les Twitchers fous. On va faire concurrence aux Allemands et aux Américains avec leur 1 million de followers et leur 1 million de. Parce que je suis tombé sur un stream Arma 3 en Allemagne. C'est impressionnant les Allemands comment ils adorent jouer Arma. C'est du 3000 viewers, c'est un truc. C'est un truc de dingue. Il y a une chute à 50 mètres de l'hélico, il survit. Ah, vous êtes mon héros, j'ai envie de vous faire des bisous tout plein. Monsieur Rosenfeld, c'est vous? Tout à fait. Je vous aime. Pour info, je lui ai fait une injection saline 1000 et une morphine. Et Duduche, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Non. Voilà. Vous êtes des héros, plein de bisous. Docteur, j'ai perdu mon cœur, docteur. Où est passé mon cœur, docteur? Il est dans votre poche, votre physique et votre moustache, docteur. Un mignon peut-être. Votre cœur, monsieur Springfield. Ah, bien sûr, à chaque fois que je vous vois. Gentil, merci. Ah, je sais. Vous sentez pas votre cœur qui fait boum boum à chaque fois que vous me voyez? Ah si, pareil. Ah, enfin, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous toucher. C'est bon pour vous, êtes parfait. Merci. Désolé, mais... Le crime n'attend pas, messieurs. Mon devoir est de les protéger. Merci. Allez, enfin, merci. Ah, attendez. Attendez, docteur. Docteur. Alors. Il est où, docteur? 157. Pain, hop. Vous savez quoi? Vous m'avez aidé, vous m'avez sauvé. Je vous donne tout ce que j'ai dans mes poches. C'est gentil, merci. On va partir. Ouais, je sais. Ça fait pas grand-chose. Hein. Achetez-vous un... Un bonbon? Allez! Merci! C'est mon Strider ça? Ah oui, il y a ma barbe. Non, c'est pas mon Strider ça. Non, c'est le mien, celui-là. C'est la mienne, mais quand même. Là, j'allais te filer mon arme. T'imagines, à 300 000 balles. Bon, vous l'avez bien joué? Dédé, j'ai. Avec le mec, là, le pack, là, tu sais, quand on a. C'est que mon collègue l'a pas vu, il a roulé dessus. Ouais. Donc le gars, on l'a stable, il était vivant, on l'a ramené à la DA. Bon, le mec, il est mort et. Il faut que je le rembourse pour éviter les problèmes. Pourquoi? Parce que il dit qu'il est mort à cause du quartier, qu'on aurait pas dû faire ça. Que... Mais tu l'as vu? Voilà. Moi, je l'ai vu, le truc que je dis à mon chauffeur, j'ai juste eu le temps de lui dire arrête-toi, et il était déjà dessus. Ah, mais ça arrive, c'est pas fait exprès. Il est il vient à la BA là. Donc, tu fais comme tu veux, mais. Laisse-moi, fait... je vais le rembourser moi. T'as pas fait exprès, hein? Quand vous avez fait pas fait exprès, les gars. T'as pas fait exprès. J'allais lui dire arrête-toi, surtout qu'il nous a pas vu, le mec. J'allais lui dire arrête-toi, on allait le descendre pour le dessouder. Et... Ceux qui savent des packs, mettez-vous au mur, ça prendra juste 2 minutes. Même pas, vous aurez le temps de détruire juste. Ça arrive, les gars, vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est reparti les gars. Bon, vous avez pas une petite blagounette les gars?
tes baguettes là vite fait. Non. Bah il s'est assis. D'accord. C'était une blague ça? C'est une petite blague lunette. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. C'est le chauffeur qui... C'est Bellucci qui racontait ça? Non, non, c'est Dumas. Ah, c'est Dumas. Dumas? Oui. Ferme ta gueule pour voir. Ah ouais, c'est pas mal. Elle était pas mal celle-là. Elle est bonne, elle est bonne. Est-ce que vous avez plus, tous plus de 18 ans? Oh oui. Oh oui. Bon. Faut donner du plaisir à une femme, les gars. Vous lui faites l'amour normalement. Oui. Pour gagner un centimètre, tu passes par derrière. Et pour en gagner deux, comment on fait? On passe par les oreilles. Non, tu m'appelles. Ah, t'es pas mal aussi, hein. Voilà, contenu pour adultes, plus de 18 ans. Personne n'a rien entendu. Allô, allô, allô. Allô, allô. Débarquez. Hop, on vous attend, Dumas, Douglas, le chip. Les gars. Ah, voilà. Ah, si c'est blindé, on vous entend pas. Les gars de la police, faut que je fasse pipi. Bah fais pipi dans ton pantalon, t'as une combinaison de plongée. S'il te plaît, arrête, arrête, ah non, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est... Ça va les gars ou quoi? Bien, tranquille. Abdullah. Ça va, hein. Abdullah, ça va. Ah, mais il y en a un autre là. Ouais, pardon, j'arrive. Faites pisser dans votre froc. C'est normal qu'il y a des mecs là-dedans là. Ouais, c'est normal, c'est pas si bien de la banque. Ouais, c'est braqueur. Il y a un monsieur là-bas. Allez, les gars. Donc, du coup, messieurs, on va faire un petit débrief sur la banque. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Honnêtement, c'est plutôt bien déroulé. Le système de doc, du coup, avec les Striders, ça fonctionne plutôt bien, ce que j'ai vu. Donc, on va laisser comme ça du côté de chez Viper, si je me trompe pas. Donc, parfait. Au niveau de CPE, c'est bon, vous avez fait le taf. Pour Diablo et du coup Johnson, vous avez pu du coup reprendre position dans la tour et protéger les hommes à la banque comme DD au niveau du château. Donc, pour moi, entre guillemets, ouais, juste les coms encore à travailler qui sont pas assez. On a tué à certains moments, mais on est sur la bonne voie. Donc gardez ce cap. Et comme vous pouvez le voir, ce soir c'est très bien passé. On a eu quelques pertes comparé à la force qu'on avait en face de nous. Ouais, alors on va poser quelques trucs par contre. Les recrues, tout ça là, même les autres, hein, ça se fait rappel à tout le monde. Les boucliers, c'est toujours accroupi avec le duo derrière. On a toujours un petit temps d'écart histoire d'être sûr de pas prendre une balle quand le mec rafale le bouclier. On reste bien accroupi, comme ça le truc derrière sert pas à rien. Sauf à tomber si vous tombez. Qui c'est qui est en snipe sur la tour armée et qui s'est fait défoncer par derrière? Là pour en parler. Ouais, c'est un exemple. Hein. Quand on a une position en sniper, on regarde derrière soi puis on laisse quelqu'un pour couvrir l'entrée de la tour par exemple. Ah, si vous êtes que deux. C'était nous, mon général, mais on avait, on était parti de la tour pour se mettre, avoir des vues sur les bâtiments repères de gang. Ah d'accord. D'accord. Vous étiez plus dans la tour. Non, non, on était plus dans la tour. Ok, donc ça va pas être perdre ça. Là. Ok, je crois que j'étais monté dans la tour, que vous avez fumé tout, c'est pas mal réglé. Bon, oubliez pas de regarder derrière vous quand même, c'est important. Pour le reste, c'était assez correct aussi. C'était sympa. Sira, vous étiez quoi sur la banque? Vous étiez en TE hélico? On a eu une escouade TE hélico et une escouade au sol avec Viper Cobra.
Donc non, progression au sol c'est bien passé, les strivers pareil ça a fait le taf. Donc, très bien. Voilà, c'est demi-mesure aussi, hein, ils étaient pas très nombreux. Ouais, ouais c'est... il manque d'expérience. Hein. Il a en face c'était pas non plus... À nous de travailler en reste... en conduire. C'était déjà encore plus pointu au niveau des boucliers comme l'a précisé le général Dimmers. Au général. Et il parle. Il y a du chef Albertino, permission de dire quelque chose. Parler un peu plus fort. Sierra, vous pouvez vous occuper des truands là dans les caisses? Il faudrait qu'on retravaille les positions des PMA parce que ça fait deux fois aujourd'hui qu'on se fait défoncer nos PMA tout simplement et allô on perd des gars à cause des PMA. Quoi. Allô, vous m'entendez? Voilà. Vous pouvez traiter les packs là dans les caisses là? Ah bah ouais. Allez-y. Je m'occupe de celui des canards, ça je m'en occupe. C'est bien moi le service. Normalement ça a déjà été comme ça aussi alors. Je vais les voir. Ça mène leur dire. Dédé, quelque chose à. Non, non, nickel, travailler les coms, voilà, c'est très bien comme ça. Soyez plus précis sur l'information pack, c'est, ça ira. Donc, on va conclure. Donc, je vous laisse du coup, entre guillemets, quartier libre pour vous rééquiper, pour changer d'équipement, etc., pour faire plein de munitions. Pour que vous soyez parés pour demain. Ouais, donc, rééquipement journée, là. Ça, virez-moi cette tenue camo là, putain, allez. Cette tenue cobra. Bon allez c'est parti, à disposition. Johnson. Oui. Vous êtes bon en général. Voilà. Regarde, je crois que j'ai vous êtes bon. Ça. Ah oui. C'est bon Dédé, t'es content, t'as eu ton sniper en haut du château? Ouais j'ai eu les trois, je suis content. J'ai eu mes trois Sinsny. Un dans la tour. Et Snid, devant la banque, hein. Il veut pas y aller avec son bouclier ce con. Oh là là. Oh là là. Il a changé. Hein. Non mais juste, on était en train de couvrir les autres qui veulent déplacer le camion. Et il se décale et je lui dis attends, prends ton shield. Il prend le shield. Eh hey, les gars, là, on brutalise pas des plongeurs qui veulent aller à la pêche. C'est pas des plongeurs, c'est la soirée sadomaso. Ah merde. Arrêtez de brutaliser parce que je suis obligé de lui rouler dessus après. Merde. Hop là. Ah, j'espère que c'est le mien. Ah non, c'était pas le mien. Ça c'est pas le mien. C'est pas le mien, il est où le mien? Ah putain, ils m'ont foutu là-bas. Ah putain, il est là. Pas celui-là non plus. J'ai pas monsieur. On voit rien de toute façon. Vous êtes c'est qui l'enculé qui m'a écrasé? Comment? On n'a pas la même grosse bite. Moi si j'ai la mâchoire cachée, ça peut être une écrasement. Ouais. Autorisation de garder les charges de tambour ou. Ouais, vas-y, gardez. 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 Bon, ça fera 50 000. Le tocard, tu sais ce qu'il te dit? Ça peut toujours servir, ça. Hop là. Pareil qu'ils m'ont laissé un garrot, ces enfoirés. Voilà. Les enfoirés, ils m'ont laissé les garrots. Oh, j'y crois pas. J'ai renversé un mec. Oh, Snid, putain. T'as eu peur, hein? Non, absolument confiance en vous. Ah, bah lui là-bas, non. Médecin! Médecin, urgent! Putain!
Putain, je te promets, je te sauverai la vie un jour. Bah, j'espère bien. Sympathique de votre part pour le moment. Bon allez, c'est parti. Ouh. Douglas, je te mange. Ah merde, ça tient pas par là. Ça tient pas. Ah mais je lui mange. Ah. Oh Douglas, pourquoi tu m'as frappé? Et voilà les amis, le 20h minuit est terminé pour aujourd'hui. Bon allez, soirée un peu calme concernant les actions, pas de... Un peu d'action un peu sale. Une action un peu dégueulasse, mais bon, ça se joue quand même. Une petite banque, voilà, vous étiez tous calmes, il est mardi, donc voilà. Merci à tous d'avoir été encore fidèles à Springfellow TV, la radio qui vous est la préférée. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Donc voilà, non mais bien, merci à tous, merci aux followers, merci à Picou, merci à Steam Junior 234 d'avoir follow la chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à venir sur Discord, je le répète jamais suffisamment, pour faire des gameplays avec moi et tout ça. Bisous à tous. Merci aux nouveaux. Bienvenue. Merci aux anciens d'être toujours présents. Merci à tous. Merci, merci. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.